bonjour, le YouTube, la VOD, tout ça. Bref, RP. On vient de se faire attaquer par un grizzly. Et on est ré... Waouh! Il vient d'avoir un truc de ouf là, non? Là, il y a vraiment personne, personne. Je me demande si je me suis pas reco dans une sorte de mauvaise session. Bah attendez, je me reco. je vais me reco tout de suite. Je sais pas ce qui se passe. Ou alors tout le monde a eu un mal de tête pile au moment où je me suis déco. Je pense pas. On va se reco immédiatement. Non bah non parce que je voyais plein de gens connectés donc non. Je pense que je sais pas, j'étais dans une mauvaise session. Bon salut le chat en tout cas et voilà. Ma viscou, je sais pas si je follow, je vais suivre tout de suite, merci beaucoup pour le raid. Je crois que je suis déjà. Ah non, peut-être pas. Attendez, je vérifie. Si, voilà, je suis. C'est bien. Chargement de votre personnage. Bon, on va voir. Alors. J'y vais doucement. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que si j'y vais vite, ça va pas faire. Alors, il y a des chevaux. Ah, je vois des gens. Ah. Je crois que... Il y a certaines personnes que je ne vois pas. Oh là là. You. Ah. Salut, petit Prosper. Ah bah vous voilà. Oui. Oui mais il est où monsieur Duke? Parce que je crois... Il est là-bas. Ah d'accord. Parce que j'ai vu un cheval faire des choses bizarres et je me demandais si c'était pas lui qui était dessus et que je voyais pas. Ah. Non non en fait on a regardé les... On parlait un petit peu de notre truc de théâtre et tout ça. Je disais ce qui serait bien c'est que le gouvernement il ouvre l'autre pour nous. Ah oui, mais bon, je pense que c'est pas possible, ça. Ah si, tout est possible. Hein. Ouais. Un petit peu comme l'école, quoi, vous voyez. Ils ouvriraient la porte et puis derrière, on aurait, je sais pas, comme un peu comme Saint-Denis, tu vois. Ah, ce serait vraiment chouette. Mais bon, ah, je pensais qu'il était totalement en ruine et que du coup, on pouvait peut-être même plus ouvrir la porte, d'ailleurs. Oh, bah, il y a les travaux qui sont possibles, je suppose. Hein. Ah. Hop là, bonsoir. Je vous vois mieux. Bah. Oui, ça va. Je vous... Alors comme ça, on chasse les grizzlies. Là, c'est Grizzly qui a chassé. Moi, j'ai rien fait. J'ai essayé pourtant. Du coup, le... ouais. Oui, pense non, que mais. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Que je n'ai pas Même vu. Vous, je vous ai vu autrement. Oui, je sais. Donc, j'étais un peu surprise de vous entendre. Oui. Ah, moi, ça, j'étais. Voilà. Vous non mais vous allez bien. La forêt était bien, oui. Mais... D'accord. Ah oui, non mais j'ai aucun problème. Ah oui, oui, effectivement. Moi je vous ai vu, voilà, vous faire manger. Oui. On l'appellera, on pourra le baptiser Vecna. Et, voilà. Et... Là, vous voulez voir un... Bah c'est pas plus mal qu'on l'ait vu tard. C'est fait. Ah moi je l'ai vu. Donc, moi j'ai vu. Ça ressemble, vous avez vu, c'est gros. Hein.
Oui. Intime un peu avec le grizzly même. Oui, bah oui. Je vais par là. J'ai déjà, c'est bon. J'ai déjà eu ma dose. De mon expérience, vaut mieux être, en être assez loin du grizzly. Bah oui. Mais là, bon, c'était une petite session de chasse. Le fait dès que j'aille mon fusil, donc ça va. Oui, le studio qui connaît. Encore que je le vois. Pour pouvoir tirer. Voilà. Le problème, c'est qu'il a trouvé le moyen pour qu'il y ait que moi qui le voit. Alors. C'était plus, vraiment parfait. Je voyais pas à gauche de l'arbre et tout. Puis moi, j'avance, mais qu'il y a de quoi même pas. Ah ouais, en plus, on l'entendait bien alors j'étais là. Mais ah oui. Je me dis, vous prenez pas tout. Bon, après, quand je l'ai. J'ai paniqué et tiré des flèches un peu partout autour de moi. J'ai compris que. Ouais. Oui, alors les flèches, il en a rien à carrer, hein. Tu vas vous le dire. Ouais. Bah, il en faut quelques-unes hein, pour les grizzly. Oui. Ouais, je vous avoue que. Vous avez pas vu de shérif là, en ville? Moi, j'ai vu des médecins. Non. J'ai pas fait gaffe, ouais, non. Parce que j'en vends des savons de Marseille. Oui, alors il y a les Italiens. Ouais, ah, bah, y a les Italiens. Bah, ouais. Ah oui, je les vois beaucoup, les Italiens, en ce moment. Alors qu'ils sont get out, hein, ouais. Mais bon. Ils font buonasera. Ils demandent à tout le monde s'ils sont médecins, je sais pas pourquoi. Mais si, c'est ça. Ah, ils essayent d'embrigader les médecins. Ils ont demandé tout à l'heure s'il y avait des shérifs. On a dit non. Ils ont dit d'accord, merci, buonasera. Ensuite, ils nous ont demandé trois fois s'il y avait des médecins. Je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais on leur a demandé, vous êtes blessés? Ils ont dit non. D'accord, bon. Ah, d'accord. C'est spécial. Et ils viennent plutôt de Saint-Denis, eux, non? Ah, je sais pas. Allez leur montrer le théâtre. Ils sont là. Ils sont du coin. La ville est à eux, selon eux. Alors oui, j'ai appris qu'ils avaient un petit peu ce projet de complètement la posséder, la ville. Bon. Eh, monsieur le maire, un petit projet de vigilante, là, d'armer les civils et de bouder... Non, j'écoute pas, devoir de réserve, je suis sourd, au revoir. Oh là là. Ah non, ça prend pas ce genre de projet, malheureusement. Ah. C'est un coup à finir avec les Marshall. Bon ben, je vous le dis pas, mais moi, ça me tente bien. Mais je vous l'ai pas dit. Bon, après, on a pas parlé italien, nous, ils nous font pas chier. Hein. Oui, hein. Vraiment, ils m'ont rien fait. Non, ils m'ont jamais fait chier. Mais... Ça fait chier d'avoir des tirs en ville, quoi. Après, je sais pas si ils se frotteront à d'autres groupes de criminels en plus des forces de l'ordre, mais j'imagine que ça va pas durer longtemps, cette affaire. Bah, des fois, ils se tapent avec les Mondurants, mais finalement, ils sera biboche. Enfin, je comprends. Il y en a encore des Mondurants, là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu, moi. J'ai pas vu depuis longtemps. 6 ou 7 encore. Ouais. 6 ou 7. Ouais, ils sont plus discrets qu'avant. Moi, je savais pas, j'ai été planter des patates chez eux. Ah. C'est un peu bizarre. Bah, ça va pas durer, je pense. Hein, parce que ça fait 3 semaines qu'ils ont pas payé de taxes. Donc, Ah, bah oui. La suite logique. C'est un coup de pied au cul. Voilà. Bonsoir. Les types qui sont passés là, c'était les poignées ou pas? Non, ça ressemblait pas aux poignées du tout. Mais c'est bien, donc là, à mon avis, ils attendent les shérifs à leur bureau. Ça ressemble un peu à des Mohawks, j'ai l'impression. Mais il n'y a pas de shérifs, on les a vus à Saint-Denis. Sait reconnaître. Bah justement, oui. Ah, les shérifs d'ici sont à Saint-Denis? Oui. Bah, c'est pas mal, j'espère qu'ils sont bien mais peut-être leur ayant des shérifs, je sais pas. Parce que non, là, non. Bah, il y a que de la police à Saint-Denis, alors j'imagine. Ah, c'est la semaine prochaine. Non. Il y a plus de policiers que d'habitants en fait. Je crois qu'ils ont fait un trajet à Sissica. Oui, je pense aussi parce qu'ils avaient la grosse diligence et ils ont bien dit de partir parce qu'il fallait qu'ils sécurisent les lieux et tout. Mais ils peuvent pas laisser au moins un gars ou deux ici quoi, parce que là ça vend la drogue à chaque coin de rue. Ça ils ont un peu de mal, c'est soit ils partent tous ensemble, soit ils sont tous là à nous ennuyer quoi. Ils sont fusionnels. Alors, ah oui, c'est ça, c'est un peu bizarre comme relation. C'est vrai qu'ils devraient peut-être diviser leur effectif. Bah, c'est le principe normalement d'être plusieurs. Puis ils passent leur temps à me dire qu'ils sont 15, à ce moment-là. Ils sont 15, mais ensemble. Voilà. Un groupe très serré. À faire une chose, tout le temps, la même. Ils sont complices, hein, ça. Bah, c'est sûr, hein. Parce qu'ils n'ont pas compris le principe d'être plusieurs, en fait. Ils ne se rendent pas compte de ce que ça peut, l'utilité. Les hivers sont froids, donc ils se tiennent chaud, peut-être. Bah, techniquement, pour un convoi. C'est là, dans ce type de convoi, c'est dit shérif, sûr, mais ils peuvent demander de l'aide des autres comtés. Bah oui. Et minimum ils laissent... On donne la moitié de ce que M. Pénimor. Non mais je veux dire, vu qu'ils doivent traverser tout l'état, ils pourraient avoir une aide des Marshall, même si, non? Moi, je veux de l'argent, donné.
Non, mais ouais, puis bon, Strawberry, c'est pas loin. Bon, après, Strawberry, je sais pas combien ils sont. Donner qu'un quart, hein, du coup. J'ai l'impression que c'est compliqué aussi chez eux. Il y a du monde aussi à Strawberry. Mais où est-ce que c'est pas compliqué, hein? Bah, chérie, je sais pas. Ne vous inquiétez pas, c'est vous qui avez conduit, je vous redonne. En plus, il n'y a pas eu d'embûche, donc moi, j'ai déjà été payé. Ah, mais vraiment donné de l'argent au téléphone. En plus, ils ont le téléphone. Ah, ils ont le téléphone à Strawberry, je savais pas ça. J'ai acheté mon vaisseau. Les shérifs, hein. Ça marche pas très, ça marche pas. Je savais pas si c'était partout ou pas. Je sais qu'à Saint-Denis, ils l'ont, mais je savais pas si c'était partout. On a trois téléphones ici. Oh, je savais est-ce pas. Est-ce que le téléphone, en fait, il faut pas être... enfin, faut être vraiment à côté, en fait, tu vois. Bah, je crois, ouais. J'ai pas d'autre argent. Ouais, c'est ça. Bon, 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 plus, jeté... Oui, ça semble logique. C'est vous qui avez fait plus dur du boulot, en plus. Ah, vous avez quand même aidé à réparer la diligence, à sécuriser et tout. Ah, il y a des gens. Oui. Déjà. Je considère déjà être assez grand. Bonsoir. Bonsoir. Allez bien. Bonsoir. 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 Mais ouais. Je comprends pas. Si. Un peu. Toujours pas répondre. Ah si. Monsieur le maire. Oui. Vous avez pas vu Monsieur Chamberlain? Non. Apparemment, il est à Saint-Denis, c'est ça? Oui, il est à Saint-Denis. Ah, c'est bien dommage, ça. Ils ont fait un aller-retour à Sissika. Ah, vous pensez qu'ils vont revenir ou pas? Logiquement. Bon, ça, je sais pas. De Sissika, il y a des chances. Après, ce soir, est-ce que vous les avez vus? Vous avez le groupe de natifs, vous les avez vus, là? Si, il y a un bûcheur de cheval, là. Je les vous savez qui c'est, ceux-là? Non, je crois que c'est les Mohawks. Non, les Mohawks, ouais, je me disais bien. Okay. Ils sont partis dans quelle direction? Bon, ils sont partis tout droit, là, sur la rue principale. Ok. On va vérifier ça. Bah écoutez... Après, pas de folie, hein. Non, 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 on n'est pas comme ça. Tant qu'ils ne touchent pas le salon, c'est bon. J'appelle mon cheval en ce moment, bordel. Vous avez une blessée avec vous? Ça va, mademoiselle? Ouais, Ça va. L'entraînement, il est un peu rude. Hein, Louisa? Oui, si, si, l'entraînement, oui. Oui, l'entraînement. N'est-ce pas, CP? Ben si. Et j'ai mis 500$. Ma soeur a fait un combat à 500$. Faut bien que je l'entraîne, non? Calme-toi. Oh! Ah oui. Oh, 500$, hein, disons. C'est audacieux. Oui, c'est des sommes que j'ai jamais vues encore pour un combat. Bravo! Eh oui. Ah oui, je compte pas les perdre. Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, il y a des beaux combats ici, avec beaucoup d'argent. Ah bah je l'ai fait partout. Tant que c'est à main nue, ça me va. C'est gentil. C'est la main nue. On va pas commencer à faire des combats avec des revolvers, c'est pas... Ah, j'espère pas. Bah ça tombe plus court, quoi. C'est ça, ça va être plus rapide. Oui, un peu moins de spectacle. J'ai l'impression qu'il y a toute la vie. Oh bah non, plus que les chiffres. Voilà. Oula. C'est ouais, les choses, voilà, c'est oui. Son cheval là, ouais, mais c'est là. Ah, c'est oui, je vais m'écarter au cas où. C'est bon, là, j'ai eu ma dose des animaux. Le décret des chevaux, c'est le plus respecté de l'histoire des États-Unis. Hein. C'est clair. Pourtant, c'est pas faute d'essayer. Hein. Ouais, y a que deux rues, hein, mais bon. Ah, ça. Ouais, mais les gens, ils s'en foutent. Bah, ouais. Mais il y a presque dans toutes les villes maintenant ce décret. Bah oui. Ah, on est obligé, hein, sinon mais... il y a des morts tous les jours. Hein. Oui, c'est pas faux. Il y a des endroits où c'est plus compliqué que d'autres. Ah, à chaque fois que je vais à Strawberry, moi. Ici, sur 50 mètres, si on appelle le cheval, il apparaît ici, quoi. Donc, Oui, c'est vrai. C'est un peu le problème. À l'endroit pile poil, il y a toujours plus de monde parce que c'est le télégramme. Quoi? Ouais. Non, allons voir s'il y a des gens au salon. Bon, monsieur. Moi, j'arrive, je vais voir si Prosper, tu m'as répondu au télégramme. Bonne note. Lane des gagnants. Ah oui, oui. Pardon. Ouais, bonsoir. Ouais, bonsoir. Moi sur ce, je vais me coucher. Bah t'es où? Pas là. Bonne soirée à vous. Et à la prochaine. Au revoir. Hop. Faire un nouveau. Je vais lui répondre. Et pourtant, ils ont revendiqué la ville.
Non. Hop là. Vous avez grandi dans les bois ou vous avez... Voilà. Je lui ai répondu. J'ai répondu à Prosper, ouais, c'est bon. Important. Pas fou le soir. Voilà. Ça me donne du van. Vous remettez vos émotions. Oh oui, oui. Je, même si je me refais la scène dans la tête, c'est la première fois que je me fais attaquer par un ours. Ah, oui. Un ours qui était un grizzly en plus. Un ours qui était un grizzly. Un grizzly qui était invisible à mes yeux, que je pouvais pas. Un ours qui était un grizzly qui était invisible. Vous étiez tous ensemble. Un grizzly. Oui, on était tous ensemble à deux. Ah, pardon. Un ensemble de deux. C'est déjà plus, hein, que un. C'est plus que un. On était un groupe de deux. C'est ça. Elle m'a dit qu'elle voulait voir un grizzly, je vais montrer un grizzly, sauf que moi je le voyais pas. Ah, on peut retourner voir un grizzly alors ? Oh, je vais rester loin. Rester loin, moi. Je resterai sur le chemin, moi. Grizzly que personne voit, hein. Sauf moi. Viens, on va voir je sais où ils sont les grizzlies. Équipez-vous quand même. J'ai rien. N'ayez pas juste un... 18 avec des flingues, moi je veux bien y aller, hein. Le problème, c'est pas tant d'être 18, c'est qu'il faut qu'il y en ait au moins avec le flingue qui le voit. Voilà. Moi, j'ai pas d'armes, donc même si je le vois, ça moi, j'avais un arc. Bon, bah, ça a pas suffi. J'ai pensé à sortir la bonne arme avant de se faire attaquer. Oui, mais j'avais qu'un arc. Ouais, l'arc. J'ai fait la bêtise de l'arc contre un alligator en revenant de sa nuit. J'ai eu assez mal. Ah. On ne parle pas d'alligator, s'il vous plaît. Ah non, pour ton alligator, là. Pourtant, oui, ça se fait. Hein. Ah oui, c'est facile. Allez-y, allez-y. Ah, bah, c'est parce qu'on a mis le maire à. C'est vrai. On a mis le maire à la réunion de Saint-Denis et pendant le temps qu'on attendait, on a décidé d'aller chasser le bayou et le bayou, okay. À côté du bayou, en face de Sissi. Ouais. Et là, il a la merveilleuse idée d'aller chasser un croco avec une hache de combat. Et moi, je lui dis bien que c'est une idée de merde. Il dit, c'est non, vas-y, c'est vous que le docteur Stanton a soigné avant moi, du coup. Oui. Ah. Et j'ai eu le temps de tirer deux flèches. Il est parti avec sa hachette. Il lui a donné un grand coup sur la tête. Mais le coco, il s'est juste retourné. Et il a pris dans sa gueule. Ça. Les crocos, moi, à chaque fois, je leur mets des flèches, ils se barrent, en fait. Ils sont plutôt cool. Oui, en fait. Mais bon, c'est vrai qu'on y va, on est de loin, alors ils partent, mais peut-être que si on essayait au couteau, je pense qu'ils se retourneraient. De près, c'est comme des grizzlies de près, c'est une mauvaise idée, hein, c'est connu. Hein. C'est une idée de merde, hein, on est d'accord. Le problème, c'est que j'ai accumulé deux erreurs stupides. L'attaquer à l'arc et être descendu de mon cheval. Hein. Les et être assez proche. Ensemble, ça devenait compliqué. Ah, vous savez chasser le croco aussi? Mais ça, on l'a fait avec le petit Prosper. Hein. Ah, oui, tant qu'on n'est pas à côté, ça va. Hein. Ah oui. Tant qu'on n'est pas à côté. C'est pas un truc que je trouve très dangereux. En non, 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 non. Ils sont assez prévisibles, mais après, c'est vrai qu'on est loin. On n'est pas à côté. Bah non, oui, c'est ça. Donc, forcément. On a passé toute une soirée là. On va voir le grizzly. Avec Mme oui. On va voir le grizzly. Allez, on va voir le grizzly. J'ai pas d'arme. Vraiment. Tracard, on va voir le grizzly. J'aime bien comme personne n'apprend aucune leçon ici. Allez, c'est ça. Bon, on en bat tous les jours. Allez, j'aime bien Denise. Quand vous tombez de cheval, il faut remonter sur un cheval. Et oui, mais se faire manger par un grizzly, il faut se faire remanger par un grizzly. Ça me paraît d'une logique, sans faille. Implacable. Effectivement, alors je suis peut-être encore sonné, mais je trouve effectivement que c'est implacable. 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 Si je. S'ils étaient en forme, je t'aurais plaqué au sol. Implacable. Parfaitement implacable. Implacable. Bah écoutez, moi je suis chaud, moi. Oh, mais. Je reste loin, moi. Ah oui, on est avec eux, on va faire un grizzly. Bah, ouais, ils vont à 4. Après, si on est 200, ça va. Je pense que si on est. Je pense que si on est 64, le grizzly va avoir peur. Au bout d'un moment, une balle chacun. Oula. Ça tire derrière. Ça va, ça va.
Oui, soit les Italiens qui s'amusent avec des civils. Attendez, j'équipe ma... À moins que quelqu'un ait de quoi peut-être chasser un grizzly un peu plus rare, peut-être. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça. Bon, ça honnêtement, ça a changé un peu, pareil. Si avec la couleur aussi, il va pas venir. Parce que je pensais que peut-être justement non, il permettrait qu'on soit... La pire logique de tous les temps. Effectivement, on est d'accord. La pire logique ever. Surtout de se faire emmerder par un goût. C'est surtout ça. Après c'est très rigolo. Je trouve ça très drôle, mais c'est vraiment une logique terrible. On va se déplacer en groupe. Donc là on retourne au Grizzly. Eh oui, il faut la rage, une revanche là. On se dit oui, j'ai bien, c'est un petit peu la rage quand même. Il faut que la voie loyer, c'est passé où l'un fusil. Non, il m'a dit de faire attention le médecin. Si je lui apprends que je suis parti chasser et que je suis re-blessé, je pense que... Parce qu'il va m'en vouloir quand même. On va éviter de vous mettre face au gris. Bon par contre, si vous voyez... Si... Alors je crie très fort et je pars. On fait tous mine de pas le voir, voilà. On se dit... Vous avez l'impression qu'on s'inquiète pas trop. Alors vraiment, il vous a pas du tout attaqué. On est d'accord qu'il vous a pas du tout attaqué. Non, non. D'accord, non, oui, vraiment. Pas, quand les choses existent que dans les yeux, oui, de ceux qui les voient. Oh, c'est beau ça. Ouais, c'est ça. Je suis poète. Avant que j'ai su. Escadron en formation 1v1. Non, Denis va régler son compte. Je vais pas le faire parce que, en vrai, vu que je chasse jamais, si. Bon, j'ai pas un aïe horrible, mais. Si je rate ou que je touche quelqu'un et que je me fais re-blesser et tout ça. Enfin bref, voilà, je vais. On va essayer d'être logique. Vous avez repéré à peu près l'endroit de tout à l'heure? Parce que moi j'ai pas trop fait attention. Il sera pas forcément là. Oui, c'est vrai. Je vais aller à l'endroit habituel. Il y en a en général. Normalement, dans le premier coin que je vous ai emmené où il y a des baraques là. C'est-à-dire juste en face. Ouais. Il y en a quand même très souvent. Donc on y repart. Parce qu'ici, il y a un nid à grizzly. Ah oui. N'hésitez pas à parler fort, hein, on s'entend. Pourquoi? Est-ce qu'on se disperse un peu, oui, pour faire la chasse au grizzly? Pourquoi pas, hein. Moi je reste groupé. Ça y est, j'ai trouvé. Il y en a un là. Il y en a un là. Là où je vise. Je vois. Là où je vise, il y en a un. Ah oui, j'entends. Ils font sur nous. Je le tire au dernier moment. Je vais se cacher. Ah bah oui. Double canon. Hein. Oui bon, il n'a pas marché longtemps. Oh, il est énorme. Oh, allez-y, allez-y. À vous l'honneur. Ok, bon. J'en collais une. Ah oui, c'était beaucoup plus rapide. Pas grave. Ah, pour George, après. Et hop, foutu en plus. Ah, ça c'est le hasard. Ah oui. Alors c'est peut-être parce que j'en ai mis trop plein la gueule. Peut-être que la peau, vous pouvez plus en faire grand-chose, là. Non, en vrai, je crois que oui, de toute façon, c'est pas... C'est quand même bien moche, hein, quand même. Quand c'est dépecé. Ah bah sans la peau, c'est moins joli, oui. Bah je pense qu'on serait pas mieux, hein. Mais est-ce qu'on peut le ligoter? C'est une petite queue pointue, regardez. Vous voulez ligoter du gris, dis-vous. Ah maintenant, avec un beau photographe, avec le pied sur la tête, comme ça. Je m'écarte. Vous voulez faire un gros gigot en fait, c'est ça? Oh pardon! Ah bah voilà. Attends. Je sais que vous êtes déçu, hein, passez pas votre colère sur moi. Hein. Désolé, ça va? C'est le stress? Oui. C'est un choc post-traumatique. J'ai envie des choses! Ouais, c'est ça, c'est... On va retrouver un autre. Retrouver un autre. T'es pris pour un grésil. Bah je comprends, hein. C'est la musculature ça. Ah oui, t'as pris un petit peu là. C'est vrai, je suis un peu à la salle.
tiré. Et ça se voit, oui. Bah oui, je me doute bien. T'as vu, je suis déguisé en Radiouk. Oui, c'est hyper efficace. Oui. Allez, comme ça, les Grizzly, ils voient que moi. Prochain, c'est toi qui le dépose. T'as fait rien sur la voie, par contre. Ah, c'est... Donc là, pour ceux qui sont intéressés, l'endroit où on a tué le Grizzly, là, oui. C'est l'endroit de la tanière du Grizzly. Ah, c'est exactement là. Ici, d'accord. Il sort exactement là où on l'a tué. Ah oui, bah oui, c'est vraiment là où on a commencé. Oui. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que quand je veux avoir un grizzly, je viens voir là d'abord. Ok, ok. Que je sais qu'il sort de sa tanière ici. Bah maintenant que je sais qu'il sort de sa tanière là, je viendrai plus. Ou je mange. Ouais, mais en fait, c'est celui-là qui se déplace après. Mais il sort. Enfin, c'est celui-là, ceux de cette famille. Mais ils sortent exactement là où on l'a tué. Là. Ouais, ouais. Ouais, non, ça c'est pas le petit couteau, ça. Ouais. La machette aussi. Elle va essayer de combattre les loups au corps à corps avec toi. Ouais, j'ai trop peur un peu. Oui, mais il y a moyen. Hein. Moi, je me suis battu au couteau. J'ai réussi contre trois loups. J'ai trop peur de pas réussir et de me retrouver encore toute seule dans ma galère. Je serai avec toi. Ah oui, ça, je connais ça. Ah ouais. Je serai avec toi. J'aimerais aussi tenter le cougar, mais bon. Non, le cougar, jamais au corps à corps. Ah, jamais ? Ok, bon, voilà. Si vous voulez, je connais un petit spot à cougar bien sympa. Non mais le cougar, le cougar au moins les flèches c'est plus efficace. Je trouve le. Et je connais des spots à panthère aussi. À panthère. Cougar plus simple. J'ai jamais vu de panthère moi. Moi non plus. J'en ai vu une de près. C'est encore plus bizarre qu'un cougar. Ah oui. Ah oui. Ah bon. On est sur un gros. Il faut récupérer les yeux de panthère. Moi une fois j'ai vu un lapin adulte et ben c'est pas le malin. La panthère c'est véloce. Je vous avoue que. Ouais, mais à côté d'un lapin adulte. C'est la panthère que tu parlais avec Amado. Non, ça c'est la légendaire. Mais elle a failli tuer Amado, oui. T'as dit Loris. Mais ouais, je connais deux endroits où il y a des panthères. Quel genre de spot à cougar. J'y ai pas pensé. Ils ont déjà tué des faisans, quoi. Ah, des gens, à ce qui paraît. Bah, j'en ai tué plein de faisans, moi. Ouais, mais vous êtes légendaire, monsieur Duke. C'est vrai. Moi, je suis le Cazador. Le Cazador. Le chasseur de l'ombre. Eh, les Grizzlies, ils ont tellement peur de vous, ils font tout pour être invisibles à vos yeux. Ben oui. C'est ça. Ils développent ont appris à se camoufler tel des caméléons. C'est ça. Ou des poulpes. Oh, c'est caméléon, un poulpe. Ah oui, c'est vachement plus caméléon, un poulpe, qu'un caméléon. Ah ouais. Ouais. J'en ai vu quand je pêchais. Les caméléons et les autres, les poulpes, alors. Bah oui. Ah, parce que les gens, ils... Ah là. Oh. Je fasse attention, moi, je suis tombé sur l'autre épaule, ça va. Ah ouais, heureusement. Je retournerai me faire une petite auscultation demain, de toute façon. Ouais. Et si vous sortez comme chez vous, j'imagine, monsieur Forêt. Ah bah ici, oui, mais d'habitude, dans mes forêts à moi, y a pas trop de grizzly, quoi. Est-ce qu'il y a des camps de cannibales dans vos forêts? pas de gestage. Parce qu'ici, il y en a un ou deux. Ah oui, on a vu des trucs. Moi, j'ai plutôt sur des forêts tranquilles, hein. Lapin faisant. Lapin faisant. Grizzly, personne éventré. Moineau, rouge-gorge, quoi. Je suis plutôt sur ce niveau-là de dangerosité. Le bête sauvage. Des pieds, des mains coupées, des trucs comme ça, quoi, à la base. Ah oui, j'ai déjà vu. Avec l'idée de faire ça. Ah, si on a une main en trop. Peut-être consommer l'intérieur, sûrement. Ouais, toute viande, ça se mange. Ouais, les gens, ils arrêtent pas de me dire berk-berk parce que je marche à pieds nus. Toute viande, c'est bon. Des pieds. Bah, peut-être que pas tes pieds, du coup. Ah, mais peut-être que je risque rien, moi. Peut-être qu'ils vont se péter les dents. Par mesure de sécurité, si l'un d'entre vous voit un grizzly qui fonce vers nous et voit que les autres n'ont pas l'air de s'inquiéter, qu'il court dans la direction opposée. Hein. D'accord. Parce que c'est ce qui nous est arrivé tout à l'heure avec Denise. Et ouais, les petits chevaux là. Question de sécurité. Bon, moi je crierai. Bah, c'est que sachez qu'il n'y a que vous qui vous ferez attaquer, quoi. Oui, c'est ça le problème. Là, c'est que les autres, ils n'ont pas de problème. Vous
parle à un couple de bras cassés, quoi. Une qui veut écraser un lapin, elle se prend une falaise, et l'autre qui décide de faire un alligator avec une hache, quoi. Au moins, moi, je savais que ça allait pas me, me niquer, toi. Ah, toi, c'était sûr. Belle hachette, en tout cas. Je compte pas le... Je compte pas le nombre de fois où les docks m'ont ramassé par terre, hein, dans cette forêt. Ah oui, vous êtes arrivé quand même quelques fois. Bah, c'est surtout qu'il y avait des docks pour pouvoir ramasser... À moins qu'on se couvre avec une personne. Ah merde. Ah oui, ça c'est, ça, c'est un souci, ça. Ah oui, si, mais j'allais dire, vous avez jamais des armes très chères, mais si, vous avez des Navy ou... Oui, bah, c'est pour ça que j'ai arrêté, hein. Au bout de la deuxième fois, je me suis dit, bon, bah, avec les docks, c'est compliqué, j'arrête les frais, moi. C'est pour ça que j'ai plus d'armes. J'avoue que moi, si un doc me relève pas, je perds 500$, donc ça me fait un peu chier. Oui. Voilà, on est d'accord. Bah, moi, je suis à 300. Ah oui, quand même. Oh là là. Et tout à l'heure, on est tombé et j'ai abattu deux ours noirs côte à côte. Oui, c'est vrai. Un petit couple. Tout mignon. Boum. Boum, boum. Boum. La super soirée romantique. On s'est réunis auprès de notre Seigneur. Ceux-là sont moins vélos. C'est... Ah, les ours noirs, oui, ils nous fuient même. Sauf si on s'approche et qu'ils crient, mais sinon. C'est les petits oursons. Je pense que les ours noirs. Ouais, je pense que les ours noirs, c'est des ours adultes, hein, mais ils... Mais ils sont pas grands. Oh oui, mais je les appelle des ours. Bah oui, les ours noirs, c'est pas non plus... L'abatteur d'ours noir. L'abatteur d'ours, tout court. Après, je pense que ils peuvent pas être un peu agressifs. Oui, c'est oui, ça. Oui, ils peuvent, je pense. Bah, oui. Reculer, ça veut dire près de lui, hein, méfiez-vous du terme. Comme tous les animaux, je me suis bien fait charger par un cerf ou un sanglier. Alors, oui. Alors, je crois que moi, c'est quoi C'était un ragondin qui m'a mordu le pied. Oui. Oui, en pêchant. Il me hurle dessus, il me mord et il part en courant. Oui, c'est un raton laveur. Ah, c'est les ratons laveurs, plutôt. Les ratons laveurs, je crois que les opossums, ils mordent aussi. Hein. Ah non, c'était... Ah oui, voilà, c'était un opossum, exactement. Il y a un gros truc là-bas. Ah non, c'est un dent. Jamais fait attaquer par un opossum. Les opossums, ils font semblant d'être morts, ça, c'est rigolo. Mais c'est que là, je faisais rien, je pêchais et ça l'a dû l'énerver. On peut leur mettre des coups de pompe, les opossums, c'est marrant. On peut leur mettre des coups de pied, surtout, c'est beaucoup marrant. Parce que c'est ça, ils font semblant qu'ils sont morts. Ah là, quand je disais coup de pompe, c'était coup de pied que je voulais dire. Allez, Georgia, fais-toi. Les tortues aussi, c'est marrant. Mais tu sais que ça marche pas, Georgia. Si je tire avec ça sur un opossum, je crois qu'il part dans l'espace. C'est quoi ça? C'est un orignal, c'est quoi? Ah, peut-être. Un cerf de Virginie. Ah bah en plus, un cerf, ça sert à rien. Ouais, si c'est le cerf de quelqu'un, je vais pas le chasser. Ah bah voilà. Bon, c'était un peu court. Mordeur de pied de luxe. Mais oui! C'est cool, vous allez voir, merci, on va arriver sur la zone de cougar. De Rikiku. Salut à toi. Merci beaucoup. Ça donne vachement envie, ça, cougar de nuit, dis-moi. Il est pas dans la forêt. Oui, bah oui, c'est déjà pratique de jour. Juste derrière, dans la zone montagneuse. C'est ça, déjà deux jours, je suis pas chaud. Tu préfères cougar de jour ou cougar de nuit? Bon, du crépuscule. Ouais, cougar de nuit. Alors, les cougars et les panthères sortent toujours de nuit, mais des fois, ils traînent un peu le matin. Donc, des fois, on a l'impression de se faire attaquer la journée, mais de base, c'est toujours la nuit, en vrai. Ah. Ils ont traîné au saloon. Ouais. Hein. Oui, j'entends. Ours noir. Bah, c'est ici qu'on a tué les deux ours noirs tout à l'heure. Ah, c'est encore au même endroit? Attends. On dirait vraiment les chasseurs dans Les Inconnus qui tirent sur n'importe quoi en groupe comme il ça. Est fini. Bien joué. Bravo. Bon, il est fini. Il était un peu loin. Qui veut le dépiauter? Il est là-bas derrière les rochers, un peu plus loin. Oui, bienvenue. On est en RP, hein, du coup, pas d'alerte et tout, mais je l'ai vu. Enfin, on voit l'alerte, mais... Mais il était tellement loin, cet ours, ok. Ah oui, puisque moi, j'étais derrière tout le monde, j'ai rien vu, hein. Ah bah, je l'ai vu partir, mais bon. J'ai entendu pis, pas un pan, pan, pu, pis, oui, voilà, ben, en fait, ça j'ai entendu, ça. Et bon, ça va. qu'ils viennent ici, hein. Oui, mais... En plus, je pense que là où on l'a vu, ça va être une petite tadia en ours noir, parce qu'on a, les deux que j'ai tués tout à l'heure, c'était exactement au même moment. Oui. Oui. Ça me rappelle quelque chose ici. Moi aussi, j'ai déjà vu cette fougère. Ouais.
C'est pas juste là que vous êtes morti. Ouais, vous êtes tombé dans le coma. Je ne le suis pas encore. Déjà, monsieur Dubois, il a dit que j'avais 1000 ans tout à l'heure. Vous me voyez mort. Et c'est pas ici qu'on t'a promis le jour d'Halloween. Oh, près du loup. Ah ouais, puis on entendait plein de loups. Ah oui, en plus il y en a dans le coin. Ah mais là c'était pas juste comme s'il y avait des meutes de loups, c'est comme s'il faisait un chant. Ah, on continue. On continue, oui. D'accord, on continue. On avait l'impression que c'était tout autour de nous, quoi. Les loups de la dernière fois que je vous ai parlé. C'était ici qu'on était. Ah, oui, il paraît qu'il s'est passé plein de drôles de choses à Halloween. Pas très visible, c'est ça. Ouais, à la nuit des morts. Ah bon? Oui. Georgia, vraiment. J'ai rien fait. Mais... Apparemment, c'était hanté à Armadillo. Ici, la forêt, il y avait des cris de loups partout. Et plein de petites choses bizarres. Ah oui, d'accord. Mais moi, j'ai pas vu, j'étais encore malade. Ah oui, puis oui, moi, je faisais le dos aussi. Au garde de nuit. Oh, regardez. Ça, c'est mon niveau. Avec à peu près les armes les plus puissantes. Regardez-moi ce gros blaireau. J'allais le montrer aux autres. Il a failli m'attaquer en plus. Ah oui. Il m'a sauvé la vie. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, comme arme de poing? Parce que, bon, mon fusil, il me convient, mais mon arme de poing, j'aimerais bien changer le cattleman. Là, bah, dites tout de suite que c'est pas intéressant. Ça dépend, après, ah oui. Tu parles peut-être pas assez fort. Il y a deux types de munitions possibles. Bah, oh non, mais. Il faut les utiliser que quand on est sûr qu'on va tirer avec après, quoi. T'es tombé. Ah oui, ok, je comprends. Alors, voilà, la tanière du cougar, elle est là autour de ce. Ah bah, il va fermer. Ce grand rocher central, là. On est en sécurité et sur le rocher. Je me suis mis ici en me disant, haha, je vais la voir. Derrière moi, j'entends waouh! Il était monté derrière moi, il m'a suivi, l'enfoiré. Ah oui! Il m'a chopé. Hein. Je regardais derrière moi. Elle était. Elle était plus futée. Hein. Ah ouais, non, mais c'est futé. C'est vraiment futé. Mais là, de toute façon, il ne fait pas encore assez de nuit pour qu'il sorte tout de suite. Mais ça va pas tarder. On aura pas tardé, oui. Vous baladez avec des putois. Non, c'est pas un putois. Regardez-moi ce gros blaireau. Il était ah non, c'est un opossum. Ah non, un blaireau. Oui, bon. Il était en embuscade, je pense qu'il préparait un sale coup. Oui, il nous a sauvé la vie. Ouais. Ça bouge pas. Oui, je bouge pas. Prends ça, j'aime pas te voir sans arme. C'est du bon blaireau. J'espère que je lui ai donné des balles, ça me ferait rien. Pardon. Non, mais vous. Mais non, c'est traumatique, il va falloir faire quelque chose comme Dame Denise. Non, je suis désolé. C'est un endroit assez dangereux pour ça, je pense. J'avoue. Je suis désolé, je vous ai balancé. J'ai fait de mal de tête. J'ai tout ralenti, du coup, j'ai réagi beaucoup trop tard. Mais en fait, excusez-moi. Vous avez une bouteille en main, Madame Denise. Ça fait longtemps que vous picolez comme ça? Oh, tu sais, depuis le crédit, je suis plus la même. Bah écoute, je vois ça. Alors là, il y a possibilité. Non, mais je me vois pas avec une bouteille là. Alors, Georgia, c'est plutôt vers le sol, hein, les cougars. Quoi? Je vais regarder derrière moi. Hein. Ils sont plus vers le sol, les cougars. Il y a plein de petits oiseaux. Non, c'est des corbeaux, les corbacs là. Mais je sais pas où ils sont. Ah si. Mais dans ce coin, honnêtement, je sais pas. Vous voulez que j'aille à pâté? Non, quand même pas. Dites-vous. Quoique. Changement d'avis rapide. On va quand même derrière, hein, parce que bon. C'est bon, il était un peu plus loin, il a pas entendu. Allez, c'est bon, il peut nous aider à avoir un petit spectacle. Ah, mais il est en bas, vous voyez. Ah oui, il est. Il a fait tout ça. Ah oui. Ah, par contre, à quel moment je lui dis que je suis pas doué? Et ne visez pas lui, hein. Ah, ça, j'y arrive. Mais à quel moment je dis que je suis pas visée? Ah non. Deuxième nature, la picache, c'est Denise. Oh ah bah, écoutez, on chasse, donc on picole, hein. Est-ce que vous entendez? Ouah.
On s'y croirait. De mieux en mieux. Bien le moment de faire des bruitages. On est tous là avec nos fusils. Et lui, il rit. Il n'a pas. Par contre, fais attention, t'es proche de moi là. Je vais pas tirer une flèche, t'aimes bien mon fusil. Attendez, peut-être qu'il faut lui jeter des cailloux pour qu'il croive qu'on est autre part. Voilà, quoi? Monsieur Duke, faites le bruit d'une biche. Non mais ah, en fait John, c'est surtout que je peux plus viser à droite là où t'es. Je tourne beaucoup la cam parce que je vérifie s'il y a pas derrière nous des petits. Du tout. Pourquoi tu veux tirer? Oh, il vous a répondu le corbeau. C'est très crédible, très crédible. Quoi, après, on est beaucoup aussi. Bah généralement moi le bruit de la biche c'est. Oh. C'est le même bruit que Madame Denise avec les grisaises. Ah. C'est bien, il y a de la brume, monsieur. Oh, je le vois. Ah, il est vraiment. Je le vois. Il est. Avec la brume, c'est compliqué, mais il y a des arbres au fond, il est entre les deux arbres. Je le ramène. Non, on voit rien. Ouais, mais là, on voit rien, c'est vrai qu'on voit rien, là. Non, on le voit pas, il y a que vous qui le voyez. Monsieur Duke? Oui. Oui, vous avez entendu? Non. Ah, c'est peut-être un peu trop tôt pour la pâter parce que avec la brume, on va pas pouvoir la voir en fait. Ah, vous voyez rien à cette distance? Ah, oui, non. Je l'ai vu avec les. Attendez, je vais faire les jumelles pour voir. Les jumelles, mais. Il est où? Ah, bah là, je l'ai perdu par contre, mais je l'ai vu. Oh, vous inquiétez pas, il va nous retrouver. Je le vois pas. J'ai entendu un loup là? Il y a plein de loups, il y a des ours, il y a des cougars, non, c'est pas droit. Ah, j'ai perdu monsieur. Il est au-dessus, vous voyez là où il y a des arbres morts? Ah, je vois pas d'arbres morts. Déjà, il y a un problème. C'est au-dessus des arbres vivants, sur la montagne, il y a des arbres morts. C'est vrai, il y a des arbres vivants et morts. Oui. Ah, bon, bah, par contre, avec la brume, on voit vraiment plus rien. Ah, là, c'est. Que vous dire. Je vois plus rien. Ah, c'est super. Il va nous trouver à l'odeur, vous inquiétez pas. Mes jumelles le voient, mais moi je le vois. Dans notre dos, on va choper un ennemi. Ah oui, mais j'arrête pas de regarder derrière nous, je t'assure. Derrière, vous inquiétez pas. Pourquoi on n'a pas embarqué un docteur là? Sur la gauche, il y a un grizzly ou un ours. Vous inquiétez pas. Ah bon? Non. Ah, un ours. J'y vois un peu mieux. Ah, voilà. Peut-être mieux là. Et je sais pas où il est. Moi je l'ai pas vu. Il est bien caché. C'est une menace fantôme. C'est peut-être un cougar caméléon comme le grizzly de Madame Denise. Un cougar pulpe. Un cougar méléon. Un cougar méléon, c'est bien ça. Waouh. Un cougar méléon de nuit. Mm-hmm. Ah, faut la pâter. Hein. Oui, bah, c'est bon, je mon travail, moi. Ah, vous l'avez, c'est bon? Je l'ai, mais avec le. Oui, c'est les jumelles qui le voient, qui l'ont, quoi. Attendez, je l'ai à peu près. Il est tout au fond. Sur la gauche? Sur la gauche, entre... Ouais, il descend. Ah oui, je vois. Il descend, mais là, j'ai perdu. Je vois plus. Oh, oui, il bougé, je crois. Mais du coup, il est trop loin. On va le ramener. Je le vois pas, moi. Je l'ai vu, descendre. Il dit à gauche. Hein. Voilà, il a vraiment confiance, monsieur Duke, hein, parce que vraiment. Je pense que c'est l'expérience hein, qui parle. J'ai pas autant confiance en moi. Je pense qu'il y a confiance en les docteurs, pas vraiment en nous, en fait. Il y a confiance en lui, je pense, plus. Oui, il a surtout confiance en son truc. Ah. Je vois plus rien, il y a de la brume. Oh, il court. Attention. Ah oui, je le vois. Oh. Si vous pouviez tirer. Mais allez l'aider. Attendez, on a eu un drame. Oh là là. Il a failli y avoir un drame là. Heureusement que vous avez. Oh là là, vous étiez vraiment très proche vous. Oui.
T'es soit la chute, soit la balle, là, donc... Ah, j'ai chuté, hein. J'ai chuté pour vous sauver. Ah, bravo à vous, bravo à vous. Oh là. Mais Monsieur Duke, il va bien? Bah non, je pense pas. Oh. Il est où? Je le vois pas. Il est en bas. Mais le cougar, c'est bon? Le cougar, c'est bon, ouais. Oh. Oui, le cougar, c'est bon. On est désolé, Monsieur Duke. On est désolé, j'ai failli mettre une balle à Monsieur Wade dans le process. Oui, mais... Heureusement, elle s'est arrêtée, mais malheureusement, j'ai pas pu... On n'a pas embarqué le médecin pas... Elle paye de sa personne, là. Attendez, je... Alors, Seule mésaventure. Mais comment ça se fait? John, pousse. Pourquoi personne n'a tiré? C'est bon, mais je le fais... Ah si, moi j'ai tiré, là, moi. Là, je fais pas de compression, là. Ah. D'ailleurs, il a pris une flèche, le cougar, là. Oui, malheureusement, Monsieur Silver a pu agir à temps. Il y a un point de compression là. Si je lâche ma main, c'est foutu. Ouais, attends. Enlève-moi déjà ce cougar de là, pas que son sang se mélange. Poussez-vous. Georgia, retire-moi le. Oui, ouais. Tiens, il faut que je te donne quelque chose. Non, garde le fusil. Non, je te le donne. Faut qu'on surveille aussi au cas où il y en a un autre qui arrive. Voilà, Georgia, garde le fusil au cas où il y en a un autre qui arrive. Oui, non, je sais, mais attends. Laissez-moi un peu occupé de Monsieur Duke aussi. Oui. Et je crois que je suis vraiment pas la meilleure. Non, donc voilà. Là, je peux pas retirer ma main, moi. Je sais juste pas pour la casserole, c'est tout. Moi, je vous ai pris pour cœur, Monsieur Forêt. Ah bah pourtant, enfin, c'est au niveau du silence, quoi, je veux dire. Oui, bien sûr, un cougar. Le pas feutré. Va t'occuper du cougar déjà. Oh là là. C'est quoi là-bas? C'est un cheval, ok. Est-ce que là, nous devrait aller peut-être... Jusqu'à Blackwater? Oui, je sais pas. Non, je sais pas, où se trouve les docteurs, ils reçoivent un petit billet. Oui. Oui, et puis là, ils sont là, donc... Il a été très rapide tout à l'heure pour moi. Monsieur Duke, vous êtes toujours là? Et si vous voulez, je peux faire un... Il doit pas être conscient, hein. Ah si, il a répondu. C'est bon, je tiens. Je vais dépecer le cougar. Ne dépecez pas. Ah. Oui, confondez pas, s'il vous plaît. Ah merde, je l'ai dépecé. J'ai compris trop tard ce qu'il voulait dire. Si je le dépece, il y en a un nouveau qui arrive, qui sort de la tanière, c'est ça? Qu'il y a de l'alcool sur lui. Ah. Je dois changer de bande. Ah, c'est l'autre cougar. Ah. D'accord, bon bah écoutez, je pensais qu'il disait me dépecer. Moi j'ai sur mes aguets. J'ai trouvé un joli joujou par terre, Monsieur Duke. Ah voilà, bah voilà. Mais pourquoi tu l'as trouvé pas? Non, mais t'as fouillé. Bien j'ai pris au cas où, hein. Ah. C'était mieux, hein. Bonsoir. Monsieur Duke s'est fait un cougar là, je suis en train d'appuyer au pied à la plaie. Alors, gardez bien les mains là où vous compressez pour le moment. Oui. Je vais faire une petite piqûre pour. Voilà. Je ne lâche pas. Voilà. Je lâche pas. Vous lâchez, je passe le bandage en dessous pour compresser. Il y a quelqu'un qui a eu un appel. Voilà. C'est bon. Un appel Discord et il y a une musique Discord spéciale en ce moment et je l'ai entendu chez un des joueurs. C'est rigolo. Ça arrive, hein. Pas grave. Il est précisé en mon cas. Ah, c'est d'accord. On t'a dit. Ok. Allez, 1, 2 et 3. Pardon. Allez, je vous aide à monter. Attaque de puma, monsieur a fait déjà une compression et là un bandage compressif au niveau de bras et épaule gauche. Épaule gauche, c'est noté. Robert, il t'appelle des vestes. Bon, on le rejoint là-bas. Oui, on vous rejoint. Ah, oui, mais il faut que j'aime que je rentre de ce que j'ai trouvé par terre, quoi. Oui. Oui, il y avait rien d'autre d'ailleurs. Mais tout le monde,
Tout le monde court dans la forêt, ok. Je cours aussi, moi je veux pas rester derrière. J'ai trop peur. Ouais, allez-y, courez. Non mais je me méfie maintenant parce que vraiment, le nombre de fois où, même à cette heure-ci, il n'y avait plus personne. Oula, planquez-vous. Oui, oui, oui. Attention, j'appelle les miens. Oui, la balle ou la chute. Mais doucement, doucement. Une tartiflette. Et hein, c'est tempête. Ah, c'est tempête. C'est le gabarit du dessus. Oh. Ah, est-ce qu'il y aurait des loups? Je pense mais bon. Bien. J'en ai entendu, mais je sais pas s'ils sont pas assez loin en fait. Je pense qu'on les entend, mais qu'ils sont loin. J'ai l'impression. D'accord. Bah, espérons. Parce que je les entendais déjà quand on était au coin du cougar. C'est par où? Je sais pas par où c'est. Ah oui, je vais activer le GPS. Oui, parce que. Le GDS. Oui. Le Global Denis System. J'ai l'impression que c'est pas par ici. Si, c'est bon. Ah, ok. Et quand on aura le choix entre gauche et droite, faudra prendre à droite. Ok. J'ai ripé sur mon bureau là, littéralement, et ma souris est partie en live. S'il y a pas de médecin, il perd tout. Oui, c'est vrai, du coup, elle a été super maligne. Non, mais la chasse, hein. Moi, je préfère la pêche. Oh, ça tire là-bas. Oula, ça tire. Oh lolo. Ah, c'est ici. Oui, à droite, pardon. C'est là où il y a... Oh, c'est peut-être le médecin, là, vous voyez. Bah oui, je pense qu'on est pas très loin, en fait. J'espère que ça va. C'est peut-être quand même les loups. Ah, loup. Loup. Oula, là, là. Oh, sinon, on court, hein. Allez, go! Allez, cours, tempête! Cours, tempête! Allez, mite, pète un petit peu! Pète sur les loups! Ça les effraie! Comme ça, on l'appellera tempête! Tempête! Y'a rien à foutre, le loup, hein! Ah, c'est bon, il est parti! Ah, là, c'est à gauche, pardon! Ici? Ah, bah oui, oui, ici. Oui, oui, oui! Ah, mais oui, on est là! On est déjà là! Incroyable! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où je non vais? Mais là, c'est tempête qui a eu plein de... Oui, c'est des émotions. Plein des émotions. Donc c'est tempête. C'est ça. Rapport à cette flatulence, comme j'explique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est que moi je suis sur tartiflette, mais c'est le passé. Ben oui. Ben elle est toujours là, tartiflette, hein. Elle est un petit peu tranquille, elle est en vacances. Elle a bien mérité. Ben oui, c'est vrai. Je pense qu'il faudra... Ah, tu le déposes peut-être à l'écurie? Ah oui. Ou le déposer. Je mettrai assis. Non, non. Ok. Je vais le mettre là, assis. Hop là. Je sais pas, hein. Oh, il y en a déjà un. Oh, mais c'est celui du cheval. Je pense qu'il faut les faire fuir. Ah oui? Parce que des fois ils deviennent timides. Mais je suis pas sûre. Ah, je vais essayer de mais... faire fuir. Attends. Il y a du monde là-bas. Hein? Il y a du monde là-bas? Ah oui. Je sais pas jusqu'à où il court. Tu me détruiras. Tu vas le mettre plus loin. Ma taxe de mon premier lot de bois. Ah, c'est un beau savon. Moi, c'est vrai que je le laisse toujours à l'entrée. Hein. Enfin, je le fais fuir, mais. Exactement. Et il n'y a rien de mieux que la simplicité. Je vous laisse vous changer. Hein. Vous êtes blessé? Il va se remettre en tout cas. Tous les shérifs de Strawberry viennent ici? Médecin? Oui. Ah. Oui, c'est bon. Eh bien, monsieur Duke. Vous avez vu sur la route, on s'est fait attaquer par des loups. Ah ouais? Bonne nuit, Mouglouminda.
Genre avec Denise, eh ouais, ça secoue. Hein. Tu m'as jamais vu travailler, toi. Eh ben. Non. Y'a quelle soirée? Oui. Ah, un grizzly. Deux grizzlies. Un cougar. Ça fait longtemps que j'avais pas passé une soirée avec Ray. Bon bah voilà. Oui, bah pas trop souvent quand même. Ça fait quand même 2-1 pour la nature, quoi. Bah c'est vrai que c'est un peu le souci quand il y en a un qui fait la pas. Je pense qu'il y en a plein qui osaient pas tirer de peur de tirer dessus. Bah moi j'ai tiré, au bout d'un mois j'ai tiré, hein, tant pis. Hein. Moi oui, j'ai préféré me pousser pour laisser la place parce que j'ai cru comprendre que je pouvais gêner. Bah en fait, j'ai dit qu'à un moment il était là, il disait « C'est bon, vous pouvez tirer !» Je voyais bien qu'il tenait le petit minou dans ses mimines. Donc ouais. Là j'ai mis une flèche dans le minou. Bravo, vous l'avez eu. Mais vous parlez très fort, monsieur. Ah. Ah oui, effectivement. Une parfois, flèche dans le minou. Ça arrive. Une flèche dans le minou. Ah, c'est peut-être ça qui perturbe les gens. C'est quand je dis flèche dans le minou. C'est des amis de la nature. Mais... C'est pas des phrases qu'on entend souvent, en fait. Non, c'est vrai. Pas là, toujours. En même temps, on n'en voit pas souvent des flèches dans le minou. Oui. C'est plutôt sympa, les minous, en général. Moi, sur la strawberry, il y en a plein. Ouh. Oula. D'accord. J'ai eu peur. J'ai eu une vision de cheval. Oui, oui, oui. Pareillement, pareillement. Vraiment très proche de toi. Hein. C'est ça. Moi, ça. Je vais me changer, j'arrive. Oui, moi, je suis en radio depuis... petit moment, je vais peut-être me changer aussi. Oh bah, pour ce qu'on fait, ça marche bien. Hein. Ah, c'est vrai. Je me fais attaquer autant que lui. Moi, je vais faire pleurer Pauline. Ah oui, d'accord, oui. Ça marche. Faut que j'aille faire un petit bisou. Hop là. À tout de suite. J'arrive. J'en ai pour pas longtemps. À tout de suite. Je suis là. Je reste en Redouk.
Bah, j'ai eu l'impression que ça faisait ouin ouin. Mais à moins que vous faisiez ouin ouin. Vous avez des... Non, moi, il me semblait que c'était bien lui, hein, mais après. Mais vous avez tué le cougar, c'est vous qui l'avez tué. C'était moi le cougar là dans la fin. Oui. Comment vous allez? Mais c'est pas vous qui avez fait ouin ouin quand même. T'es dans la douleur ou... Non, non, je suis pas imitateur aussi. Non, non. Vous avez bien vu notre talent imitateur quand même. Vous savez pas ouin ouin. Ouais, ouais. On s'y croit. Faut qu'on se décolle du truc parce que je sais qu'on a l'intérêt. Du coup, monsieur Duke. Oui. Ça vous dira toujours de venir chasser avec nous ou... On n'est pas ni à vie. Bah. Là, le seul truc, c'est que si je viens en chasse. Non, pas maintenant, parce que là, vous êtes blessé. Une prochaine fois. Oui, non, mais on se passe, ça me fait toujours plaisir, c'est pas le problème. Hein, mais... ah, et monsieur Ved, on évitera de se coller, hein, du coup. Oui, oui. Oui, non, mais clairement, quelles que soient les armes qu'on utilise, faut pas se coller pour les utiliser. Faut vraiment faire attention d'être. Pareil pour contrer pour avec quelqu'un. Parce que... la prochaine fois, c'est moi qui ferai la pomme, monsieur Duke. On l'avait tous les deux et paf. Oh, c'est dommage, tu l'as achevé. J'étais content, je l'avais bien passé. Oui. Comment vous sentez? C'était magnifique, monsieur. Oui. Bah écoutez, ça tourne encore un peu, mais ça va. Vous voulez revenir c'est à Blackwater? C'est pas ma première danse, un coup bien. Bon bah du coup, je reviens pas à Bordeaux, j'ai eu un radio qu'en fait. Ouais, c'est ça. Vous avez eu le plus gros coup de la région. C'est ça. Pardon, vous voulez qu'on tourne à Blackwater du coup? Ah bah moi il faut que j'y aille, il y a quelqu'un qui nous y attend depuis au moins 10 minutes. Elle reste. Bah, allons-y. Allons-y. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ah. Elle est très chouette aussi cette tenue. Oui. Je l'ai appelée en rouge et noir. Vous savez pourquoi? Aucune idée. Parce qu'il est rouge et noir. J'aurais dû m'en douter. Perspicace. Ah, esprit vif. Oh. Il me fait toujours peur quand il court comme ça. Et hop. Et hop. C'est parti. Bon, qu'est-ce qui va encore nous tuer? On mise sur quoi? Un cheval timide. Un cheval timide. Ah, sur la route, paf. Bam. On tombe. Double salto. Tous les yeux sur la tête. Oh non, on tombe, on glisse dans l'eau, on se noie. Ah oui. Ouais, encore que ça va. Hein. On a déjà fait. Oui, ça va. En fait, ça fait pas peur. Ça fait pas si peur que ça. J'aimerais bien avoir un cheval dans la vie. Spécialement, je... J'aime bien les chevaux, mais... Mais je leur fous la paix. Pour moi, les chevaux, ils prennent pas leurs pieds quand on les monte. Hein. Et je sais que c'est bizarre comme phrase. Je sais très bien que c'est sujet à interprétation. Mais voilà. Pour moi, si t'aimes les chevaux, tu leur fous la paix. C'est ma vision des choses. Hein. Pas du tout, vous êtes pas du tout obligé de partager mon avis. Oula, ouais, je sais, mais on monte un cheval, j'y peux rien. Je peux rien dire. On monte un cheval, on le chevauche. C'est comme ça. C'est comme ça. J'y peux rien. On fait les repos en grand à chaque fois. On fait quoi? Là, c'est comme s'il y avait un croisement et à chaque fois on fait le tour en grand plutôt que de couper. Ah, plutôt que de couper? Oui, oui c'est vrai. Mais je me suis dit parce que j'ai on est discipliné. J'ai dit bon, bah, y a peut-être une raison, mais en fait, non. Ah, j'imagine que c'est au cas où d'autres arrivent en face. Comme ça, bah. C'est peut-être ça. On n'arrive pas en pleine face, même si en fait on arrive quand même un peu en face parce qu'on utilise la même route, mais bon. Ah, off-road, ok. Bon, ça va, sinon. Bah oui.
écoutez, ça va, compte tenu des circonstances, ça va. Oui, ça va. Mais je me suis posé beaucoup de questions, vous savez, sur notre avenir, Madame Denise. Oh, moi aussi, pendant que j'étais malade. Oh là là. Ça m'a bien contrarié, tous ces trucs du gouvernement. Moi aussi, j'ai envie qu'on fasse quelque chose. Oui. Même si j'y tiens toujours à mon loup-garou, mais ça va bon. Oui, mais on fera en parallèle ça. Ça nous empêche pas. On pourra le faire. Faudra qu'on fasse le petit test d'ailleurs. Avec de la musique peut-être. Ah oui. On verra ça. Au pire, on fera un loup-garou musical ou au pire, on fera un loup-garou de tricheur avec des gens qui savent. Mmh. Oui. Ça va. Ça va, bah, super. Et vous ? Ça vous fait pas trop mal de chevaucher ? Ça tire un peu. Oui, j'imagine. Non, ça va. De toute façon, mes épaules, c'est des montagnes de cicatrices. On pourra tracer la route de votre vie. C'est ça, on m'a recousu 32 fois. Ah oui, ça va. Bah, j'ai rien de mes télégrammes, tiens. Oh, attention, Prosper. Un petit peu en plein milieu là, mais... Ma voix elle passe bien dans les dessins animés et tout. Oh, je sais pas ça. Mais j'aime beaucoup, je m'intéresse beaucoup au doublage. Et j'ai eu même la chance d'assister à une session d'enregistrement pour un épisode de The Walking Dead. C'était très cool, c'était très très impressionnant. Leur manière de performer, c'est ici. J'aime beaucoup le doublage. Dans les rocheuses. Hein. Oui, mais toi. Ah, oui. Il se cache parfois derrière les rochers. Ce... Ouais, c'est ça. Bah, je sais exactement où il était, c'est pour ça que j'ai fait la part pour le ramener. T'es sûr que ça devait bien doubler ? Non, mais le doublage, c'est pas qu'une. C'est à peine une question de voix, c'est aussi beaucoup une question pour de. Pour le tirer. D'acting. Il m'a chopé. Il y a eu un quiproquo avec Miss Georgia et elle a failli me mettre une balle. Ouais. Ah oui, j'ai pas trop compris. Oui, je m'en suis douté, du coup j'ai préféré m'écarter, mais je voyais plus l'action. Il faut pas être trop près des autres, quelle que soit la langue que vous utilisez. C'est ça. Ça peut créer des problèmes. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, le cheval est trop près, donc je l'éloigne. Oui. Voilà. Permettez-vous. Le cheval dit ça. Désolé de vous avoir fait attendre, du coup j'étais en train de me faire cougardifier par... un animal sauvage. Sa coupe, elle est stylée. Voilà. T'as vu ? Voilà. Ça, il fera pas de mal. Bon, alors, ça, monsieur ça, Duke, ça... est-ce que vous voulez, voulez raconter votre magnifique histoire avec un cougar ? Bonsoir. 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 Oui, attendez. Bonsoir. Je suis un peu faim. Ah, ouais. Moi aussi. Non, je sais pas si c'est tout bon, s'accrocher ça. À vos lèvres, là. Eh bien écoutez, profitez-en. Non, bah en vrai, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. J'ai ramené ces messieurs-dames voir un cougar parce que je savais où il y en avait un. J'ai dit, attendez, je vais faire la part. Et puis bah, j'ai fait la part, quoi. J'ai envie de dire que ce n'était pas l'idée lumineuse de la soirée, mais c'était courageux. Non, alors, j'ai fait un bel appât parce que je me suis dit l'idée lumineuse, c'était de me donner. Je vous l'ai ramené comme ça, j'ai fait ça. Le cougar est arrivé et passé comme ça devant vous dans le rocher. J'ai vu personne lui tirer dessus, j'ai fait j'aimerais bien que quelqu'un lui tire dessus. À noter on l'a bien entendu. À noter que personne ne réagissait. Aidez-moi s'il vous plaît. Alors moi comme un con, j'ai non, des Ah mais monsieur Wade et moi on pouvait plus réagir à ce moment là, on était déjà occupés dans exactement, un drame ce serait bien personnel. Oui. Et moi j'ai descendu comme un gros con avec ma hache. Après, dans un certain sens, si on veut voir ça de façon positive, le plan il a fonctionné, vous avez effectivement décidément, fait la part. Monsieur Silver, c'est une méthode que c'est vous ça. Tentez souvent. dans la panique, vous n'allez pas laisser Monsieur Duke se faire déformer. Peut-être que l'armature aurait été plus utile que. Bah, le problème, c'est que j'avais donné à Bichon. Récemment, elle a doublé un grizzly. J'avais dit qu'on était occupés à un propre drame. Ouais. Voilà. Tout le monde était un peu trop les uns contre les autres, c'est vrai que. Oui.
tout le monde passe là, quoi, exactement, évidemment. C'est parfait. En plus, le chemin est derrière vous, c'est ça qui est fou. Absolument. La route est pile poil derrière vous. Le prochain, tout le monde passe au milieu. Elle fait 3 mètres, quoi. Oui, mais incroyable. Le prochain, on vous regardera taper quelqu'un, ça. D'accord. Oh oui, je parie sur vous. On fait une ronde autour. Et si y a un chef qui se pointe, on dit que c'est la légitime défense. Elle vous a agressé, ouais, je suis témoin. Il y a beaucoup de témoins, là, je pense. Voilà, beaucoup. Je sais pas encore qui c'est, mais je suis sûr qu'il vous a insulté, qu'on l'a tous entendu, du coup. Ah, ouais, ça me dégoûte d'avance. Il faudra juste s'éloigner pour que je tape pas l'un d'entre vous. Ah ouais, non. N'est-ce pas Ah oui, moi je m'éloignerai à peu près derrière le télégramme. Ah, il n'y a pas eu de drame, hein, oh, monsieur Wed. J'ai eu les bons réflexes. Moi j'ai fait... C'est vrai que t'as eu un bon réflexe. Pendant que j'étais en train de baver du sang. Voilà. Je peux pas gérer deux choses en même temps, monsieur. Entre tirer une balle sur monsieur Wade ou tirer une balle sur le cougar. Ah, le choix était choisir. Ouais, il fallait choisir. Vous avez fait le bon choix à la fin, ça va. Heureusement que vous avez eu de ces convulsions miraculeuses. Bon, le choix, le meilleur choix. Ouais. J'ai pas tiré. Un petit gars là. Il nous écoute. T'es dangereuse. C'est toi qui m'as mis l'arme, c'est toi qui me l'as donné. Hein. C'est comme pour les couteaux de lancer, mauvaise idée. Un couteau de lancer, j'ai jamais essayé ça. C'est génial. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est rigolo, j'aime bien moi. Mais pas entre les mains de Georgia. Oh. Mais si, j'en ai jamais planté un de couteau de lancer dans quelqu'un, hein, promis. Vous faites comme dans certains spectacles de cirque, avec la pomme et tout. Non, elle a fait ça avec les flèches. J'avais pas eu le réflexe à ce moment-là. Mais non, je l'ai, c'est bon. J'arriverai plus. Ah là là. Pendant que j'entraînais ton cheval. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai pas le mien. Elle est sage. Elle est attachée. Oh, moi, je dois monter son cheval. C'est parti. Je vois Georgia qui arrive. C'est parti, les Italiens. Oui. De l'autre salon, sinon. J'entends des gens qui crient un peu partout là. Bah oui. Ouais, bah oui, parce qu'ils crient avec l'accent italien. Non. Ils crient en italien. Apparemment, ils crient en anglais. Ah. Mais qu'a pas ça. Tortellini. C'est pas ce qu'ils disent. Señorita, comment est-ce que des bisous infernalou, bonne nuit à toi. Ah oui, ça c'est bien de l'italien, ça, je reconnais. L'italien du... Oui, Italie du Sud. Je suis plus doué en latin. Mec, qui s'approche de plus en plus. Je sais pas si... Mais ouais, donc du coup... Pas de chance avec les animaux dans cette soirée. Oui, ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé une soirée, une soirée comme ça. Aussi médical. On a eu le grizzly et après on a eu le cougar. Hein. Oui, aussi médical, oui. Ah, je peux même dire que je fête mon premier coma. Oh. Oh. Premier. Félicitations. Premier. Ça je suis prudente. Pas très aventureuse, hein, parce que... Ouais. Oui, bon, à l'aventure, c'était plus jeune, moi, hein. J'ai fait des comas avec les chevaux, sur des rochers, bien. Beaucoup de fois tout seul, hein. J'ai même pas besoin de grizzly. Mais je battrai jamais mon record de coma, ouais. Hein, moi. Mon premier combat... Ah, en tombant du toit de Blackwater... Oui, mais bah, c'est... Tout n'importe quoi, hein. C'est vrai que ça, je le fais pas beaucoup, j'avoue. Calader des toits. Après, ça fait 4 mois et demi que je suis là, donc... Oui, ça fait un petit moment. Mon premier coma, je l'ai eu une heure après être arrivé ici. Oui, moi ça devait être un truc comme ça. Hein. Noyade. Noyade. Ah, j'ai fait perdre $200 à un shérif dans l'affaire. Comment ça Parce qu'il s'est noyé avec moi, avec ses armes. Oh. Allez, bonne journée, ça. Ah, il devait être ravi. Après, c'est un shérif, est-ce qu'il mérite pas. Ça dépend d'où, ça dépend d'où. Il a dû mettre ses armes sur les sacoches de son cheval. Bah oui, on plonge pas dans l'eau avec des armes, enfin. Ouais, non, bah après ça dépend, mais... Et puis il y a une époque où le lac c'était plus dangereux. Ah ouais, non, c'était pas, c'est pas si longtemps que ça. Vous. Bon après, il a peut-être pas eu le temps de réfléchir, bon, c'était pour vous sauver. Un mois. Ah oui, quand même.
suis de coma pour l'instant en un mois, ça va. Oh là là, moi je compte. Moi je fais... j'en suis à 3. J'en suis à 3. Ah. Non mais... Mais moi, vous faites rien, par jour, vie, c'est... Mais clairement... Vous faites quoi de on n'a pas les mêmes journées. Alors moi, j'ai fait une expérience en montgolfière, ça s'est mal passé. Ah ça c'est pas moi. Ah j'ai pas osé essayer la montgolfière. Ça la montgolfière à 19h59. Même pas. En j'ai fait, écrasé à fond ma soeur. Hein, à fond ma soeur. Ah. Ah merde. Alors tous les gambitos sont sortis. Ah merde. Miss Georgia est très douée pour les montgolfières. Ah c'est pas moi. Non, elle était pas là. Ouais. Ah oui, non, il a fait tout seul comme un grand. Oui, j'ai fait Georgia tout seul. Oui. Ensuite, j'étais en embuscade pour attraper un cochon, un alligator m'a attrapé. Et ce soir... Vous avez vraiment pas de chance avec les alligators, c'est fou ça. Attends, il a fait une deuxième fois la bêtise. Et ce soir, j'ai fait preuve de courage, on avait plus de flèches. On a conscience. Voilà, non, c'était du courage. Elle avait déjà tiré deux flèches dans la tête de l'alligator, et ben j'ai voulu l'achever à coup de hache, sauf que c'est lui qui m'a achevé en fait. J'ai insinué que je suis responsable d'aucun de ces communs. Hein. Oh là là, moi je compte même plus. Alors même toi, t'es responsable de deux de mes communs. Hein. Avez-vous réessayé la montgolfière de Georgia? Non, non, c'est quoi la télé. Un autre coma. Voilà. En parlant de coups de sabot. Voilà, monsieur grand. Voilà, c'est ça. Ça va? Mais en fait, j'avais pas capté que c'était lui qui foutait la merde depuis tout à l'heure. Ah. Et quand je l'ai approché, il était pas content. Ah, charmant. Faut mieux faire l'assaut là. Excusez-moi. Bonsoir, est-ce que vous savez si il y a le maire ou son adjointe qui est là par hasard? Je pense qu'il dort. Mais... Ouais. Comment j'arrive trop tard? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Plus de chance demain. Je réponds pas, il m'a pas dit bonsoir à moi. Plus de chance demain, mais peut-être dans la journée, parce que c'est par le mariage de la mère adjointe demain soir. Oula. Dans la journée, ce serait parfait. Ah, c'est madame tranquille. Enfin, je vais essayer de repasser. Oula. Oula. Ah. Vous l'avez tous entendu, hein. Il a insulté votre mère. Il a insulté votre mère. Il a poussé madame. Ah ouais, non mais alors, est-ce que ça vaut le coup, monsieur, d'étrangler quelqu'un? Il a pas étranglé, il a juste... Non, mais ça, c'est... Non, ça, j'ai c'est entendu bille, la ça. Nuque qui s'est brisée, quand même. Ça, c'est bille, c'est un frotteur. Regardez, il se relève, un petit peu, il va se relever. Sa nuque est un petit peu musicale, mais regardez, Ils n'ont pas fait de forme, je l'emmène chez lui. Super. Ah ouais. Il y a un médecin qui s'appelle Le Lac. Ah ouais, il y a un lac en plus. Et c'était il y a combien de temps, les Italiens qui nous cherchaient? Oh, ça fait combien de temps qu'ils cherchent les Italiens? Qu'est-ce qui se passe là? Aucune idée. J'avais la tête tournée, j'ai pas vu. Ça fait un moment que tu les as vus. Oui, oui. Mais vous cherchez. Ah, plus les cheveux? Oui. Ah, ouais, oui. Voilà. Allez! Attention, moi je connais bien aussi. Hein. Non, ça fait. Non, mais. Non, ça fait pas longtemps. Vous pouvez avoir un meilleur avis avec Miss Georgia. Là, c'est monsieur. Pas moi qui c'est Georgia qui va être frappée. Voilà, biquette rouge. Oh là là. Décidément, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Fallait jeter un coup d'œil au saloon. Allez, bonne idée. Va me chercher un petit peu à manger. J'avais fait un gros stock de nourriture, mais maintenant il va falloir que j'achète de nouveau. Ah. Mais j'ai tenu un moment, je suis contente. Ouais, moi aussi, je pense qu'il en reste dans mon cheval. Ou dans ma calèche, je sais plus. C'est vrai que je mets jamais rien à mon cheval. Après Oups, toi. Allez-y. Bon bah après moi. Encore pas manger. Il est chez le médecin, il va s'en remettre. Mais oui. Il faut avouer, c'est un gros con. Oh oui. C'est pas sa nuque qui a fait crack, c'est moi qui ai un petit peu d'arthrite dans le poignet. Et puis voilà. Oui, voilà, c'est ça. Mais tout de suite, les gens s'inquiètent. Craquer son poignet. Ben. Vous savez, j'ai vu les Italiens tabasser plusieurs fois, ça avait pas fait réagir les shérifs, donc bon, voilà quoi. Ouais.
Bah ils sont plus là d'ailleurs. Qui ça? Les Italiens là tout de suite. Ouais, bon, ouais, je sais pas. Ils sont peut-être en balade, mais ils reviennent, hein. Au point de ristretto. Ristretto. J'ai aux toilettes tout à l'heure. Y a plus grand chose ici. Oh, des grenouilles rôties. Mais il a défoncé les toilettes. Il doit, avoir... ça, il doit en avoir une énorme. Mais bon, tant pis. Il doit en avoir une énorme, il a tout pété. Oui, c'est ça. Mais là, il est clairement occupé de chier dans le téléphone, quoi. Moi, personnellement, je voulais essayer. Bon, ben, ça attendra. On entend porter. C'était très drôle. Oh, si je me prends un petit truc à boire, tiens. Pour fluidifier ça, un petit whisky. Oh, ils sont chers. Une bière. Ah bah écoutez, moi j'ai pris des portions de frites. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Les potes au lard. Alors. Hop. Oula. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah je sais pas, il a l'air d'en tenir une bonne lui, non? Avec son pantalon orange. Pourquoi? Je sais pas, tout à l'heure il était. Non, non. Oh, moi bon, je vois tout tranquille. Oui, il a dessoulé d'un coup, on dirait. Vous oh, ça va, c'est calme ce soir. Mais ça change. Oui. Bon, Madame Denise. Oui. Qu'est-ce qu'on... Sur, je suis sur tout oui. Comment qu'on fait? Comment qu'on fait pour le futur? Vous savez, je commence à avoir un joli petit pactole. Hein, genre 200... Oh, c'est vrai. Presque 250 dollars. Oui, je suis quand même pas mal. Voilà. Donc là, on peut commencer déjà à faire des trucs hyper dingos. Comme quoi? Comme acheter un bateau. Ça a l'air super. Ah, c'est vrai qu'après, j'aime bien l'idée. Bon, acheter un bateau, c'est super. Mais par contre, ça enlève des sous. Ça n'en met pas. Ça, c'est un peu le truc... Oui, bon. Ça ne sert à rien. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir ça pour pêcher. Absolument. On est obligé d'avoir ça pour rien. Mais est-ce qu'on peut pas pêcher les plus gros poissons quand on est au large? Oh, ça m'étonnerait, ça. Oh, normalement, bon, alors, hein. Mais... Non, autrement, est-ce qu'on peut pas... Est-ce qu'on peut pas être des pirates? Ah! Des flibustiers. Gordeux, j'ai un truc comme ça, tu n'as même pas fait un truc. D'où ça sort ça? Mais c'est un petit peu, mais je sais pas. Mais. Oui, c'était spécial, mais ça sent un peu. Mais c'est une tête de... Ah mais vraiment, tu as découpé une tête de cochon pour en mettre sur ta tête à toi. Mais c'est... Mais je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs mieux. Hein. Pour être un pirate. Pour être un pirate. Mais qu'est-ce qu'il faudrait que... Parce qu'en fait, il faut pas qu'on nous reconnaisse si on fait des activités piratesques. Tout à fait. Ça, c'est vraiment le truc. Moi, regarde, j'ai une super... J'ai quelque chose, moi. Oh, allez-y. Attention. Méconne le sable. Wouah. Eh, c'est carrément classe. On avait déjà un peu discuté de ça. Ouais, c'était ah un oui, bandana. C'était un bandana. C'est un bandana. C'est dans le sac à dos et tu le mets, tu l'utilises en fait. J'arrive tout de suite. Je
Je vous avais pas reconnu pendant un instant. Bonjour monsieur. Ah ben c'est monsieur Duc. Le choc. Et ça change hein. Par ça contre, vous change un homme. Par contre, on vous entend pas. Vous avez peut-être la voix un petit peu... Je vous reconnais pas avec le masque. Vous avez pas reconnu. Je suis la nuit. Masque, je vois pas de quoi vous voulez parler. Ah, vous voulez jouer au masque? Oh. Oh. Oh, il est chouette, c'est celui-là. Beauté. Oh, il est chouette. Il a même un petit nez rouge et tout. J'ai pris celui qui faisait le plus bizarre. Ah, c'est vrai qu'il fait bizarre. Hein. C'est réussi. Oh. Ah, puis avec la tenue, là. Là, vraiment, vous êtes vraiment... Ouais. Vous reconnaissez. Non, pas du tout. En vrai, c'est ma tenue de mariage. C'est ma tenue de mariage. Ah, elle est très chouette, ça vous va bien. Participer au mariage. Mais ça m'a fait bizarre. Sans le masque. Mais pourquoi moi ça fait ça? Mais c'est. Mais moi j'ai un masque de fille. Est-ce que c'est encore un truc de fille et de garçon ça? Ouais, c'est ça. Bonsoir. Oh, mais c'est ridicule comme truc. Bonsoir. Je vous demandais de retirer votre masque, s'il vous plaît, monsieur. Bah, moi je voulais des petites lunettes comme madame Denise. Oui, oui, j'ai envie de dire. Merci. Bah de rien. Sinon tout à l'heure il y avait un troupeau d'Italiens qui sont pas censés être là. Oui c'est ça. C'est vrai, ils sont passés où? Bah à travers toute la ville en appelant leurs chevaux. Bah alors, ça va. Oh, j'ai pas enlevé. C'est pas vrai. Bon, parce qu'on était pas à la soirée donc... Ah bah voilà. Ils profitent forcément. Ah voilà. Bah, du temps, ils ont du temps. Bien vendu sur... Ils ont bien vendu sur toute la rue même. Ah j'imagine. Ils sont pas possibles. Oh ça m'étonne pas trop après. Bon, ils sont là tous les jours maintenant. On peut voir si tout va bien. On vous souhaite une bonne soirée, messieurs. D'accord. Pas de soucis, bonne soirée. En tout cas, ça vous va drôlement bien, le blanc. Ouais, j'aime bien changer des fois. Bon, après, ça me lasse vite et puis hop, je m'en rends. Vous savez, monsieur Duc, moi aussi, ça me lasse vite. C'est pour ça que j'ai tous tenu. Oui, c'est vrai. Ah non, il y a des subtilités. Ou alors, on se voit pas assez souvent. C'est bon, tiens. Ça, c'est possible aussi. Ah, mais ils sont tous partis. Ah. Bon, on était allé au salon puis au magasin. Ah, bah oui, c'est. Oui. Ouais, mais en même temps, c'est désert. On n'était plus là pour mettre l'ambiance, alors forcément. Ah, ouais, c'est ça. Bah, ouais. On est les clés de voûte de. Voilà, on est les clés de voûte. Tout à fait. Moi, je suis un peu voûté quand tu me prends des risques. Oui, il y a surtout ça en fait. J'ai un peu une voûte, moi. Un peu une voûte. Ah bah, elle est bien, du coup. Oui, j'ai répondu à ton télégramme. Ah, je vais aller voir. La Duvalerie. Et j'ai bien bu. Ah non, mais la viande, j'en ai vendu 260 hier, donc... Ah oui. Ah oui, un monsieur qui s'appelle Albert, c'est ça que vous disiez. Moi j'ai plein de volailles et plein monsieur de viande venée, et monsieur... Oui, monsieur Clément, il en veut plus. La viande venée, tu peux... Oui, donc non, j'ai vendu c'est trop facile à avoir. Mais la viande de bœuf, c'est déjà plus... Ça se vend plus facilement, c'est plus compliqué à avoir. Soit bah, j'achète les alligators, moi, c'est mon grand truc. Ça c'est bien aussi je crois. Enfin il y a des gens qui récupèrent des alligators. Oui c'est vrai. Ah oui, je sais pas ça. En même temps je chasse pas, moi je pêche. C'est vrai. Ouais. Et maintenant toi aussi tu sais pêcher. Ouais, maintenant je suis devenu un grand spécialiste. Il faudrait que je teste un peu. Monsieur Park m'explique aussi un petit peu. Oui, c'est pas très compliqué, hein. C'est juste pas ce qui est plus logique. Relativement pas mal avant. C'est juste que des fois, il y avait certains poissons, ils voulaient vraiment pas venir et je comprenais pas pourquoi. Ah oui, bah je crois que ça, on peut pas faire grand chose. Oui, quand c'est comme ça, il vaut mieux. Oui, voilà. Il vaut mieux couper le fil soi-même parce que je crois qu'on peut récupérer son appât alors que sinon, on récupère pas et ça, je savais pas. Ouais. D'accord, je savais pas non plus, j'avais pas fait gaffe. Bah moi non plus, parce que parfois, par sécurité, j'en mets un autre. Ouais. Mais bon. Et qui m'a fait... Ah non, c'est moi qui en ai acheté de la tarte à la poire.
Maintenant, le truc, ce serait de trouver des bons coins de pêche, en fait. C'est ça, surtout. Vous voulez en voir? Oui. Ouais, on revient, ah, oui. Vous avez ça? Ah, si, c'est celui à côté. Wow. Poisson. Ah, bon, bah, allons-y. Et bah, allons-y. Suivez-moi. Follow me. Vous parlez des langues différentes. C'est ça. Je parle. Parlez la langue des autochtones. Une langue, un quart. Ça, il y a des passages secrets, il faut passer par là. Il reparle. Alors, pas où on va? On part là. Mais oui. Hop, je fais ça. Ah merde. Faites attention, le propriétaire c'est un connard ici. Waouh, ah oui, effectivement, il y a beaucoup de cheminées. Oui, bah, il y a une cheminée dans chaque chambre, quoi. Ah oui, vous avez 14 chambres donc. À peu près. Vous savez qu'elle est chouette. Et la plage privative en a. Oh, mais d'accord. Et sur cette plage, il y a pas mal de gros poissons. Je vais jamais par ici. Je pêche plutôt en lac ou en rivière, mais pas trop par ici. Aussi, c'est aussi sur l'eau très stagnante, on voit pas bien forcément. Pas toujours en tout cas. Et bah là, regardez, y a plein de poissons ici. Hein. Oui. Oh, tout ce qu'il y a. Ils viennent même manger dans la main. Oh, oh mais il est mince. Ah ouais, mais ok. Je m'équipe. Je l'ai rangé, mais je vais la reprendre. Moi j'ai plus d'hameçon, je pense. J'aurais dû en prendre. Mais ils sont domestiqués, vous leur avez appris des tours et tout. N'importe. Ah bah oui, lui il s'appelle Bébert le poisson. Ah, il y a même un serpent, pas mieux. Oui, mais ça c'est là. Ah, les serpents aussi, on peut les pêcher, hein. Bon, on peut pas en faire grand chose. Ouais. Je crois que. Vaut mieux les chasser. Les attrape, on peut avoir de la peau serpent par contre. Oui. Pour les. Mais ils reviennent pas vite. Ils reviennent pas facilement. Ouais. Bah, ici, là, sur cette petite plage, il y en a très souvent des serpents d'eau. Là. Enfin, c'est des serpents normaux, je crois qu'ils vont dans l'eau, non? Bah, c'est surtout les gros poissons, quoi. C'est. Wow. Eh oui, vous avez vu ça. Mais il est tellement proche. Bah oui. Oh, il a sauté. Hop. Allez, bravo, bébé. Ah oui, il fait des saltos et tout. Il a sauté en l'air. Hop. Bah oui. Ah bah oui, t'es sage. Ah, il est incroyable. Oh, mais je vais pas le pêcher, votre requin, là. Et c'est ça, en fait. Ah, vous pouvez, hein. J'ai préparé psychologiquement à ce que ça lui arrive. Hein. Ah bah, il a failli l'assommer, là. Vous allez le choper, hein. Non, il m'a pas vu. Si vous avez besoin d'appât, j'en ai un. Ah ah ah, non. Trop loin. Alors revenez un petit peu. Oh oh oh, si, il revient. Il revient, un petit peu, il va revenir. Regardez. Oui. Tu vas mordre ou pas? Il a mordu. Ah ouais, c'est ça en fait. Voilà, normalement, en plus, on l'emmène de pas très loin. C'est parce qu'il écoute trop bien en fait. Allez, reviens vers la madame. Mais il résiste, on va attendre un peu. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Il veut pas s'enfuir très très loin. Il arrive. Wow. Bravo Bébert. Et voilà, bah, il est plus grand que vous le truc. Oh, 14 kilos le machin. Bah, 4 kg 45. Bravo. Ah bon, ouais, bougez pas. Je m'en souviendrai de cette histoire. Bravo. Il est beau. Incroyable. Un rémora. Un rémora. Je n'ai jamais pêché de rémora. Allez hop dans la poche bébé. Et voilà. Vous le choper dans les mains directement. Ah, ah c'est bon à savoir ça. Je pouvais. Oh, il y en a un autre là-bas. Me barrer. Regardez, il y a un autre bébé. Eh oui, mais il y en a plein, ça c'est bébé 2. Et même au loin, mais c'est vrai qu'il y a des poissons immenses. Eh oui, non, mais je vous ai pas ramené là pour pas des conneries. Hein.
Mais c'est la première fois que j'en vois autant au même endroit. Ah, incroyable. C'est ma petite page privée, je balance du pain le matin, c'est peut-être pour ça. Hein. C'est ça en fait que le... Ouais, bah oui, je vois là, ils sont bien nourris. Bah oui. C'est ça que les maisons sont chères. C'est un coin. Ah, croyez-moi que 650$, je considère que la plage elle est à moi et les poissons aussi. Hein. Ah bah oui, je comprends. Oui, c'est clair. Ah, il faut agiter la... Hop, on l'agite comme ça vient. J'ai pas mis là-bas. On les voit moins bien avec la lumière que ça. Oui, ça va. Là, on voit plutôt bien. Oh non, elle est trop lente. Oh, il... Attendez. Oui, je vais attendre. Ah oui, là, il va pas revenir. Ah, si, ça attend, il fait peut-être, demi-tour. Peut-être. Il revient. Oh là là, attention. Oh, ah, je suis juste à côté. Ouais, il a pas fait d'effort, là. Ah, j'entends le ch'tonk. Oui. Ah oui, non, c'est là-bas. Et puis ici, on a un petit pont. Waouh! Là, c'était. Là. C'était la grâce du marcassin, là. Ah, vous avez vu ça? Aussi, je vais être gracieuse. Yo! Là, il faut que vous sautiez. Au moment où vous sautez, vous détendez vos muscles. Ah oui. Toute une technique. Il faut courir, sauter et détendre les muscles. Voilà. Et ouais, le saut est important. Alors. Il n'y avait pas de temps de plus, là. Oui, d'accord. C'est toujours le saut, en fait. Il faut aller dans l'eau, hein, Ah bon, c'est le saut, hein. C'est important, Denis. C'est le saut d'abord. Ah oui, j'avais pas tout compris. Même si vous vous détendez. J'ai un peu mélangé les étapes. Après, on dirait, oui. Mais il faut sauter. Il faut sauter. Ah, mais il faut courir, hein. C'est pour ça aussi. Ouais, c'est une grosse coordination. Oui, bah en plus... Pas mal. Non mais c'est trop dur. En fait, pour ma petite main, c'est dur. Faut que je fasse trop de trucs. Le protocole ici. Oh, c'était un joli son, ça. C'était joli, celui-là. Ouais. Ah oui, mais moi, c'est mal, hein. Il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Vous arrivez au bord, vous sautez, et au moment où vous sautez, vous relâchez vos muscles. Prendre beaucoup d'élan. Vous relâchez vos sphincters. Ah. Vous sautez pas beaucoup. C'est vrai que c'est compliqué de... Ah non, j'ai pas dit. Attends. Mais moi, c'est que je vais faire un grand écart avec ma main. Oui, c'est vrai. Un petit face plant. J'ai fait un plat, ça fait mal. Ok, attends. Yep. Putain. Oh ! Alors là, c'était magnifique. Alors là, c'était coordonné tout ça. Bon. Ouh, j'ai arrêté, ça tire un peu l'épaule. Hein. Non mais la pierre, elle glisse. J'avais essayé sur mes chaussures. Vraiment,
partez du rebord. Je crois que j'ai un petit peu une appréhension. Ouais, ouais. Mais par contre, vous mangez de la vase à chaque fois, quoi. Fille de pêcheur, ça va. Un rocher qui va faire grand chose. Oui, bah écoutez-le, lui qui arrive là. Bon. Attention, je vais tirer. Attention, je vais retirer. Attention, je vais retirer. Voilà. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Il arrive. T'as un serpent. Serpent d'eau. Ah, je vais choper. C'est pas facile. Allez, essaye comme ça, me donne vie. Oui, en fait, j'ai peur. Mais t'es là ? J'ai peur de me faire mal et du coup, je me fais mal. Ça fait une petite taille, cette connerie. Hein. Allez, moi, ça. Oh, fais-toi. Ah oui, quand même. Allez. Eh, on dirait pas quand c'est dans l'eau. Ah non, pas du tout. Ouais, il est pas à l'aise. Ah oui. Un truc, putain. Je parle bien du serpent. Un boa, quoi. Oui, bien sûr. Je vais le dépecer. Ah oui, non, c'est plus gros qu'un serpent normal, ça. Allez hop, on retire les pyjamas. Ils sont plus gros que ceux qu'on trouve. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Bah, il fait moins son mariole, là. Oui, ça pétait dans l'eau là. Ah, c'est un serpent boa, de ce qui paraît, de ce que je me rappelle. Pour ça. Mais les boas, on les trouve que dans l'eau quasiment. Bah, je pense, hein. Mais du coup, c'est une peau apparemment particulière. Oui, si, effectivement. Hein. Non, je vous vois avec la peau dans la main, mais. Ah. Et là. Oui, toujours. Je peut-être ça vient de moi, je pense. Regardez la mer deux secondes. Alors, regardez là-bas. Regardez deux secondes. Genre là-bas. C'est à cause de la vase. Mais ça reste collé. C'est ça. Ben non, merci Adamantium. Je fais plus peur. Attendez. Hop, hop. Hop. Merci beaucoup pour le raid, c'est adorable. Et salut à vous. Avec la faible luminosité, j'ai eu un petit choc. Du coup, c'est bon là, le serpent dans l'eau. Non. Mais bon, ah s'il n'y a que moi qui le vois. Ouais, moi ça va, ouais. Ah, écoutez, Yago qui voyait mon serpent. Est-ce qu'il bouge quand je fais ça? En fait, il est dans votre main comme si vous aviez un fusil dans la main. Faites un peu les. Ça fait un peu la même forme et un peu la même taille. Très bizarre. Et donc voilà, c'est mon petit coin de plage. Souvent on met un petit feu de camp, et puis voilà, on fait des petites soirées sympas. Bah c'est sympa. C'est sympa de nous avoir montré votre petit coin. Bah ouais. C'est... Il est très chouette. Et puis il y a vraiment de quoi pêcher, hein. C'est ça en plus. Hein. Oh, oui hein, ça fume. Je le montrerai au parc. Ah bah maintenant je... Monsieur Park qui connaît. Monsieur Park qui connaît. Ah c'est bon. La peau de serpent elle est tombée. Oui je la voyais accrochée au cheval et puis... c'est vraiment d'accord. De plus en plus bizarre. Bonsoir tout le monde, salut à Adamantium, merci exemple, beaucoup. J'espère que ça va. Vous voulez voir un cougar? Bon on en est hein. Alors, en vrai, il y a un truc à savoir, c'est que quand vous êtes un cheval, vous risquez pas grand-chose des cougars. Si c'est un cheval, voilà, il est là. Non, c'est un cheval. Oui, si. Alors là, c'est un cheval blanc, on reconnaît la différence avec le cougar, c'est qu'il fait un bruit de cheval. Ah oui. Petite technique personnelle. Je tendrai l'oreille alors, parce que sinon c'était... Et voilà, c'est le petit cougar d'à côté de chez moi normalement. Il est là tout le temps ? Oui, il est là souvent la nuit, quoi. Enfin, en tout cas, lui ou les gens de sa famille. Ah,
apparemment, il apparaît, ouais. Enfin, il apparaît, ça tannirait dans ce coin-là. Il fait pointer le bout de son nez dans le coin. Là, je sais pas quelle heure il est. Ah, il va... Non, le soleil va non, se lever. Non, il fait jour, en fait. Ah oui, c'est parce que... Je... Ah oui, d'accord. Ah, je bah, pense. Peut-être qu'il traîne nuages, encore un mal. Peu dans le coin. Ouais. Un truc sexy, là, crapahuté un peu toute la nuit, il peut être un peu loin, enfin un peu loin. Ah oui, d'accord. Je suis un peu dans ses coins ou quoi, mais... Là, si le jour il se lève trop, je crois qu'il y rentre. Donc on les voit jamais en plein... Enfin, en tout cas, à moins que ce soit un tardif, on les voit jamais en plein jour. Normalement, non. D'accord. Oui, non, mais ça se colle, en fait. Moi, je sais que les endroits que je connais à Cougar, jamais de ma vie, j'ai vu un Cougar de jour. Après, ça peut être genre comme ça, une petite matinée, peut-être qu'il a traîné dans le coin, je sais pas, mais... Et ben, coin de Cougar. Bah, c'est pas plus mal. Hein. Moi, j'ai rencontré déjà ce Cougar-ci. Ah oui. Ouais. Oh. Mais il m'avait pas vu. Du coup, flèche. Ouais, c'est comme ça que j'ai eu le premier Cougar aussi. Flèche. C'est comme ça qu'on m'a vu. Bon, c'était facile, il t'attaquait Prosper, alors... Oui, moi, un jour, j'ai eu un radio comme ça. Flèche. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bonne question. Est-ce qu'il y a des petits coins sympas que vous connaissez? Ou on peut aller sur Armadillo, effectivement. Mais c'est vrai que nous, on visite pas souvent la région. Mais sinon, on peut aller sur Armadillo, il y aura peut-être du monde. Il y aura sûrement encore Monsieur Dubois et compagnie. Ouais, vous connaissez Mademoiselle Pearl? Oui, vous connaissez pas vu. Oui. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas vu d'ailleurs. On s'est croisés, elle m'a raconté un peu sur pour son journal, je sais pas où ça en est. Bah, elle l'a sorti ce matin. Ah, j'ai pas vu. Le cactus. J'ai pas vu. Ouais, ils l'ont publié. Bah là, vous avez un petit coin par exemple, c'est ici. Vous êtes jamais venu ici? Ah non, je crois pas. D'accord. Enfin, pas à Jean, en tout cas. Pas à Jean. Je crois qu'il est un petit souci. C'est Prosper. Ah. Et ben alors? Ça va, Prosper? Entendu. Elle a voulu faire de l'acrobatie, elle a voulu grimper sur les rochers. Elle... Allez, on a entendu le boom là-dedans, derrière. Là. Ah non, mais moi, elle me le fait aussi. Ah. Hop là. Ouais. Agile. C'est ça. Incroyable. La panthère qui a dû filer un peu de son sang, là. Je suis devenu mi-panthère. Vous avez fusionné avec une panthère. C'est ça, je suis l'homme panthère. Ah bah non, c'est HP ici, non? Ah oui, c'est HP, pardon. Ah, c'est à quelqu'un? Ouais, c'est à quelqu'un, ça? Ah oui, c'est un poissonnier, sûrement. Oh, et du coup, il y a aussi pas mal de trucs ici. Moi, des fois, pour parler, j'aime bien venir là. C'est bien d'avoir des petits points pour discuter. Oui. J'en ai eu des conversations ici. Des conversations touchantes. Ouais, des fois. Des fois des conversations importantes, des fois des dernières conversations. Ah, c'est approprié. Au niveau du paysage. Ouais, c'est... Après, des fois, il y a les pélicans qui font chier. Mais... Ouais, c'est parce qu'ils décident pas à se barrer, en fait. Ils se barrent, ouais. Ils reviennent. Puis il est très attaché. C'est les pélicans. Okay. Ça m'inspire un proverbe, c'est dû. Ouais. Ah. Si tu pètes à Toulon, tu uses ton pantalon. Si tu rates à Dijon, t'auras ton addition. Ah oui. C'est ça que ça vous inspire.
c'est beau, hein. Ok. Ok. Je comprends. C'est de la poésie moderne, sûrement. Bah, je voulais rendre hommage aux conversations de la Duke ici. Ah, c'est vrai que c'est beau. Bel hommage, je pense que. Je Max. Dans les souvenirs, c'est bon, ça vaut remonter d'un cran dans les conversations qu'on a eues ici. Tu es ému. On l'ajoutera à la liste des conversations importantes. Hein. Oula, oula, qu'est-ce que tu fais? Bah c'est vrai que la vue est quand même assez époustouflante. Bah ouais, puis un petit... je sais pas, il y a de l'eau qui passe, tout ça, c'est... C'est très beau. Il y a du poisson, il y a du poisson ici aussi. Salut Dylan, merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup, j'espère que ça va. Merci, merci. Je crois que t'étais encore sur CFTV, j'espère que c'était cool. Salut Albatar PK. Ouais. Bah, il faut prendre le bateau pour aller au Mexique, quoi. Je vous conseille pas d'essayer avec votre propre bateau. Ah. Je pense que justement. Final, je crois que ça pose pas problème. Vous avez essayé? Bah, en mogulage, j'ai été dans l'état au-dessus du. Gros bisous, Tilo, merci beaucoup. Gros bisous, bisous. D'accord. C'est pas très joli, on est mieux ici, on est mieux chez nous. Oui, je suis pas allé encore. Mais pour le coup, vous avez déjà pris la montgolfière. Non. C'est vrai? Oui, il y avait du monde dedans et c'était un peu limite, j'ai pas osé, je sentais le coup fourré arriver. Bah écoutez, faut en faire un de ces quatre. Ils se la voient plus maintenant. Comment ça vous l'avez plus? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que à un moment je la voyais beaucoup dans le ciel. Bah, c'est quand les. Mais oui, maintenant, c'est un petit peu passé, je pense. Hein, ouais, ça... Ah oui, oui, c'est vrai que c'est toujours 25 dollars. Bah oui, c'est ça. Salut, Gaël. Finesse? Pas finesse. Ah ouais, c'est expéditif avec vous. Un plein. Il suffit d'une balle. D'une cartouche, ouais. Oui, d'une cartouche, putain. Mais oui, oui, bah surtout là, le sanglier, il a tout pris, hein, donc je vous avoue que... Oui, Et ça aussi, avec les cougars, par exemple, si vous l'avez en pleine tête, ça tue du direct? Oui, bah, mais deux fusils en pleine tête, ça tue direct. Oh. En pleine tête, c'est assez radical. Vous savez qu'à le même à l'arc, je pense qu'en pleine tête de cougar... pleine tête à l'arc, je pense qu'une seule flèche suffit. Hein. Je crois. Oui, je crois qu'on m'avait dit ça, oui. Enfin bon. On a perdu Prosper. J'ai l'impression. Ah, là-bas. Ok. Prosper. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, j'étais en prise avec un super serpent ici. Puis en fait, quand je me suis approché... Un super serpent? Oui, vous voyez pas le serpent sur le rocher? Si, si, je le vois. Bah en fait, il s'est tué tout seul, sous un éboulement. Bah, il tombait comme toi. Bah oui, il a glissé, il s'est pris de roche et il est mort. Bah, je peux pas ramasser. Ici, je peux, ah, moi. Moi, je peux. Ah, bah, 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 allez-y, bah félicitations. Ouais. T'es très bizarre. C'est le genre de chasse que j'aime, sans rien faire. Quand les animaux se suicident devant vous, c'est plus facile à chasser. Bah c'est ça, je pense qu'ils ont compris qu'ils n'ont aucune chance, du coup, ils... Ah bon, en ce temps-là, je tue un sanglier dans la finesse. Oui, ah oui, vraiment. Ça, c'est depuis que je vous ai tué, M. Duke. Je pense que déjà, y a la rumeur commence à galoper. Ah, mais c'est vraiment toi. Il y a déjà un nom espagnol, je suis sûr. Mais c'est sûr.
El Prospero. El Prospero. Las Forestas. Avec un truc comme ça, je parle pas bien espagnol, je vous avoue que... Oui, moi non plus. Oui. Mais si jamais il devient un grand caïd ou quelqu'un de réputé, il faudra que je m'y mette. Hein. Un réfé. Un perso TDI en RP. Il y a un trouble dissociatif de l'intention. Pas de l'intention. TDA. Bon, c'est vrai. Trouble dissociatif de... Un endroit à... TDI. À Panthère, mais bon. Oh, bah dis donc. Oh, j'ai lancé. Si vous voulez, je peux... J'avais jamais lancé un serpent, excusez-moi. Je vais le dépecer parce que là, j'ai bien beau de le prendre, mais... Bah oui. Et oui. Un petit lancer de serpent, comme ça, ça se fête. Ah, vous en êtes à sortir votre canne à pêche au lieu de votre couteau, quand même. Vous savez, le sac d'une femme. Ah, que... Apparemment, oui. Ouais, j'ai soif. Je vais remplir ma gourde. Ah oui, moi aussi, il faut que je fasse ça. Ah, mais j'ai deux identités, oui. Moins bonne que Blackwater quand même. Hein. Plusieurs personnes dans un seul. Alors ça, c'est un genre de truc qui peut être intéressant, mais déjà. Déjà, faut être déjà à l'aise en RP pour se lancer là-dedans. Je trouve, ou être à l'aise en, en acting. Et ensuite, faut... Faut du coup écrire deux personnages, quoi. Il faut lui décrire une histoire, faut pas juste « Oh tiens, je veux faire une personne qui a deux personnalités. » Il faut qu'il y ait un petit peu plus de complexité là-dedans, quoi. Moi, mon personnage, j'avais un peu son histoire en tête et tout. Avant même que, voilà. Et du coup... Qu'est-ce que vous chassez donc ? Du coup, ça, faut pas se lancer là-dedans un peu gratos, futur, je pense. Sauf si t'es très à l'aise en RP, que tu peux faire un peu tout ce que tu veux, tu seras crédible, mais... Mais voilà. Mmh. Ouais, gardez vos flèches, à mon avis. Alors... Il est disparu complètement. Ouais, non, moi, les oiseaux, si ils sont bizarres, je sais même pas, parce que la plupart du temps, c'est de la perte de temps. Oui, c'est vrai. Ah oui ? Dommage, ils sont plus faciles à tuer que dans ce cas-là. Bah ouais, mais... Non, mais on fait pas attention, mais souvent... Ah, c'est bon. Il y a souvent des oiseaux qui volent tout à fait normaux. Oui. Bon, les seuls qu'on chassait, c'était dans le bayou. Vous avez jamais été à Manteca Falls et tout ça ? J'imagine que si le nom me dit rien... Non, toute cette partie-là, vu que j'avais pas trop de raison. D'accord. C'est vrai que je passe de ville en ville, en général. Et toi, Prosper ? Bah, je pense que j'ai été une fois. Il y a des grandes chutes. Prosper, moi j'y suis pour aller. Ah, on peut aller, hein. Bah oui. Pas souvent l'occasion de faire du tourisme. Ah oui, oula, je sens pas. Tiens, notre droite. Voilà. Bien vu, bien vu. On me la fait pas. Toc, New Austin. Hop, West Elizabeth. Hop, New Austin. C'est un grand voyageur. Prosper, Prosper, petit ours pain. Non, c'est pas ça, c'est Booba, Booba, le petit ours pain, et Prosper, c'est je sais plus. Ah, mais on approche du restaurant et du saloon de Monsieur Donovan et... Ah oui, c'est ici, Flanding. Oui. Il marche jamais vraiment bien. Ah, j'avais demandé justement. Au saloon ici ? Oui, mais il est un peu bizarre. Ouais. Mais du coup, ils l'ont fini le restaurant, parce qu'avant c'était lugubre bizarre à l'intérieur. Je crois que c'est toujours le cas, hein, non ? Oh, la dernière fois, c'est réglé ? Ah bon ? Moi, j'irais bien voir. Ça manquait un peu de lumière, il me semble. Ah oui, même beaucoup. Moi, je rentre par là. Moi, je rentre par là. Bonjour. On peut pas entrer par là. On peut entrer par là. Ici, moi j'entre. Ouais. Ah oui, non, c'est un peu toujours. Oh, ah, oui, un peu. Si, un peu plus de lumière, voyez. Oui. Si. Avant, c'était. Un peu moins c'est vrai, c'est ça.
C'est vrai que ça reste très sombre quand même. C'était vraiment tout noir, mais bon, faut pas se regarder quoi. Mais il y a encore un petit peu de brume au sol encore. Mais c'est vrai. Il y a des chambres, hein, je me rappelle aussi. Il y a une chambre classe et un dortoir dégueulasse. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui viennent manger ici? Je sais pas. Je vais voir ce qu'ils ont à la carte. Ah oui. Je sais pas trop. Il y a un comptoir. J'étais jamais venu ici quand ça avait. Bon, c'était. Bah, normalement, la carte, si c'est comme dans les autres restaurants, elle on peut l'avoir. Ouais. Là, non ici. Ah, il faut aller aux cuisines. Elle apparaît puis elle disparaît. Ah, ici, c'est quoi? Ah non, c'est pour cuisiner. Ok, non, c'est là. Ah ouais, barbac et frites, côtelettes. Purée Halloween. Pour au caramel. Allez, je reprends. Oh, il y a tellement de frites qu'il y a deux thés. Il y a des frites tétés. Des frites tétés. Ah bah si tu me savras. Ah oui c'est là. Oui c'est là ça va pas. Ah oui non les chambres c'est pas. C'est pas... Oui c'est vrai qu'il y a une de chambre, elle est vraiment pas terrible. C'est pour enquêter sur des fantômes. On prend une chambre ici. Vous êtes tout dans les chambres? Ah oui. On est dégagé. Ouais, ça pourrait être pas mal, mais c'est vrai que c'est vraiment mal éclairé quoi. Oui, il faut rajouter l'éclairage. J'ai failli faire un bond. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hop là. Mais c'était pire avant. Mais c'est vrai. Bah oui, tu m'avais dit ça, mais je sais pas comment c'était avant. Bah c'était tout brumeux. Pareil, mais encore plus dans le noir complet, quoi. Oui. Fait que déjà, là... C'était spécial. On voit même pas ce qu'on mange. Et normalement, ils ont repris le saloon aussi, je pense. Oui. Oui, ils ont repris le saloon aussi. Bon, saloon, ça va. Le saloon, ça va. Ah, ce saloon, je me rappelle à avoir assisté à des choses dedans. Ah oui. Ouais, oh, j'ai jamais allé avec du monde. Il y avait une réunion entre la révolution mexicaine, les Apaches et la mairie de Blackwater. C'est quand j'étais garde du gouverneur et que j'étais avec la mère Machiavel. J'étais son garde du corps. Ils ont réussi à calmer les choses parce que finalement elle a jamais vraiment eu lieu cette révolution. Bah ils ont tué tout le monde. Ah bah voilà. Les shérifs, ils ont tué tous les révolutionnaires au Fort Mercer. C'est pour ça, ça explique certaines choses. Ouais, il y a une grosse fusillade, il y a eu 8 morts, je crois. Oui, d'accord. De mieux. Mieux comme ça. Ça a réglé plein de problèmes à côté aussi. J'imagine, oui. Notamment, je peux le dire maintenant parce qu'elle est plus là, mais je travaillais pour Rosa Dixon à l'époque. Enfin, oui, c'est pas oui, vous m'aviez dit oui. Ouais. Et quand elle avait été. Elle voulait devenir maire adjointe de Blackwater, elle était avec Monsieur Machiavel et tout. Et puis quand il s'est fait. Quand il s'est fait dégager, en fait, on lui a refusé le poste de maire adjointe et tout ça. Et du coup, elle était tellement énervée qu'elle voulait tout cramer. Elle a été voir la révolution mexicaine. Ah ouais. Ah, je sais pas comment ça. Ouais, si, on s'est retrouvés à Fort Mercer devant tous les mecs de la révolution mexicaine. Et vous étiez que tous les deux? La première fois, il y avait peut-être ma fille avec nous, c'est possible. Oui, bah. Je sais pas si c'est mieux. Ah non, ah oui, non, c'était tendu. Attends, on va descendre par là.
Excusez-moi, non, c'est parce que je... J'essaie de me retrouver. Oh, mais cette vue. Ah oui, non. Très joli. Voilà, ça va être pareil, ça va être auditivement compliqué, mais... On peut s'approcher pas mal de la cascade de l'autre côté. Des forêts ici. Oh oui. Alors malgré ce qu'indique l'aigle là, ne sautez pas. Y a pas de, y a pas de botte de foin en bas. J'ai jamais essayé de descendre. Attention avec votre hein. J'ai jamais essayé de descendre ça avec mon canoë, mais à mon avis c'est compliqué. Ah oui, celui-là, oui, ça doit être un petit peu spécial. Ah, je vais essayer de pêcher. Je suis occupé de me dire que j'ai même pas vu ce cours d'eau arriver en fait. Ce cours d'eau, c'est oui, la Saint Louis River. Ce tout petit ruisseau. C'est directement ça qui arrive là. Ah oui. Ça marche pas. Ah, par contre, j'ai déjà essayé de nager en dessous là, au niveau des, de la cascade. Oh oui. Ah. Il y a quelque chose de caché. Si vous voulez aller derrière la cascade, par exemple. Il y a des secrets. Il y a un trésor. Il y a surtout, vous tombez dans le coma directement. Il y a pas de. Ça doit pas être simple de reprendre sa respiration quand même. C'est pas dingue. Bah oui, on peut pas. Parce qu'on peut aller en dessous. Oh, oh, y a possibilité. Et d'ailleurs, il y a le meilleur spot en vrai, c'est là où il y a le petit îlot là. Parce qu'on a une belle vue sur la cascade et c'est pas insupportable auditivement. Oui, c'est vrai que bon, les cascades c'est beau, mais c'est surtout c'est mieux de loin quoi. Ouais, voilà. Bon, c'est impressionnant, c'est avoir oui. Quelques secondes de près, quoi. Mais après, c'est vrai que ça tape vite sur le système, quoi. Vous avez vu un peu ces panoramas de fou. C'est pas un coin avec des bêtes dangereuses. Non. Y'a rien. Rien du tout dans le coin. J'ai dû arrêter beaucoup la gorge quand je fais la voix de Denise en étant un peu malade. Je vais quand même prendre mon arc, on sait jamais. Allez-y, si jamais j'ai un grand sif. Bah là, il y a quelque chose sur la route d'ailleurs. C'est un faisant. Ouais, justement, un faisant, ça. Ouais. C'est un faisant. Ouais. Vous voulez que je le fasse disparaître ? Ouais. Défendez-nous. Les faisans, ils explosent avec l'arme de. Ah oui, c'est ça. Ignander. Je suis là avec des flèches, là. Il n'y a plus rien à récolter, en fait. Allez, fais pas le mariole, là. Waouh, dernier c'est accessoire. Quand on fait ça, on a du sang plein l'épaule. Ah bah, et puis ça tombe bien, vous êtes pas en blanc, quoi. Ah bah. Que je peux pêcher d'ici? On va, si vous voulez, on va aller juste en dessous, vous allez voir. Un peu de viande avec tes plumes. Tu as un peu de chair là, non? Voir ce qui reste d'os là. Oh, là. Venir là. Oh oui. Oh. Les reflets de l'eau comme ça sur le sable. Ah, ouais.
Ça n'empêche pas des... Ça n'empêche pas des trucs. Oui, sur le sable dans l'eau. Sur le fond de l'eau, quoi. Ah, il y a un petit peu de poisson. Ouais, on peut pêcher, on peut discuter, il y a plein de trucs sympas. C'est joli. Le soleil, avec la cascade là-bas. Il se lève pratiquement au niveau de la cascade, le soleil en plus. Un petit peu sur la droite, le matin, c'est très bien. Mais oui, là, on est à bonne distance. Ça reste joli, mais ça casse pas les oreilles. Ça prend pas la tête. Ouais. C'est vrai que c'est mieux. C'est pas mal ici. Ouais, c'est sympa. Ouais, j'aime bien. Je dirais pas que j'ai jamais eu une ou deux connaissances féminines, mais... Oula. Comment ça, oula? Non, non, c'est un coin... Comment j'ai dit? Un petit coin drague. C'est ça. Alors ça peut, les endroits comme ça, c'est sympa. Est-ce que je peux m'asseoir dans l'eau sans me noyer? Je vois faire des hauts bas. Ouais, en fait, je remonte pour respirer. C'est ça. T'inquiète pas, je vais te pêcher. Ah. Faut m'apâter. L'hameçon dans la narine, là, hop. C'était un peu loin, mais l'idée était là. Ah, il est pas mal. Ah mais non, des fois d'un seul coup, on voit votre ligne... Oui, bah parce qu'il décide de venir... Mais c'est vous êtes charmeur de poissons, regardez, ils viennent à vos pieds. Et voilà. Charmeur. Ah, regarde, il est là. Mais il s'est offert à moi, voilà, tout simplement. Merci. Hop, c'est dans la poche. C'est incroyable. Une petite truite arc-en-ciel. L'homme qui murmurait à l'oreille détruite. croyez-moi que l'oreille détruite, faut de la technique hein, pour la trouver. Bon, merde, à le pêcher, il vient à vos pieds. Arrêtez-moi. Ah là, vous êtes bien là. Bah là, j'en vois plus. Le fond de l'eau est frais. Bah. Au loin, ça, mais. Si, en face là, il y en a là. C'est des petits, je pense. Là-bas, là. Non ? Oui, il y en a, mais je pense que c'est des tout petits. Bon, ouais, bah j'arrive pas à dire d'ici. Justement. Souvent, on voit un peu plus la forme du poisson. Ouais. Il reste, c'est tout ce qui bouge. Non, c'est qu'il a dragué. Bah, il avait une conjointe. Ouais, j'ai fait ma petite lessive. Ah, bah, c'est bien. Voilà. Je l'ai dit, on l'avait déjà fait en sautant de la pierre. Oui, c'est vrai aussi. Bon, moi je me suis pris plus de pierre que d'eau, mais... Oui, bah même moi je suis pas très en forme, hein. Oh, mais j'ai faim, moi. Allez, petit pique-nique. C'est bien joli aussi, ici. Ouais. Regarde du pique-nique. La nuit aussi, le soir, c'est super beau. Ah oui, avec le soleil couchant tout rose. Ici, je trouve que c'est vraiment l'endroit le plus joli du sud de West Elizabeth. Enfin, on est au New Austin techniquement. Mais... on est vraiment pas loin de West Elizabeth. Quoi.
Oui, mais on voit bien le côté désertique quand même. Ça, ça joue beaucoup sur le sur la beauté c'est du en... décor. Oui, c'est un peu entre les deux. Donc là-bas, ouais, on sent bien. En face. Ça se rafraîchit vite le soir. Ça tombe bien, on n'est pas mouillé. Hop là. Et une petite bicoque. Là-bas, il y a une petite baraque avec un petit ponton, un petit truc de ah, pêche. Oui. Hein. Que sympa, mais l'intérieur est un peu crade. Oui, bah, de l'extérieur, pas l'air moins. Oui, bah, l'extérieur, ça fait. Non, de près, c'est moins crade que ce que ça y paraît, je crois. Oui, là, on dirait que c'est 12 ans. Mais le petit ponton est sympa. On a déjà vu la literie de M. Dubois. Hein. Bah, je sais pas si vous avez remarqué, mais les literies dans l'état sont souvent dans cet état-là. Hein. Moi, j'ai pas fait attention. Hein, c'est rare que ce soit pas dégueulasse. Il y a chez M. Kaiser, la ferme là-bas, ça va. Et ça, bon, c'est les problèmes gastriques. Hein. On bouffe n'importe quoi. Mais lui, il y a des accidents. Voilà. Vous voyez, de près, elle est pas si crade que ça, la baraque. Mais... c'est une petite. Voilà, c'est une petite bicoque. Hein. Une cabane. Oui. Bah, c'est du bois. Après, faut ne pas aimer le bois, quoi. Regardez, c'est pas si moche que ça, de près. Bah, c'est qu'en et fait, le bois, il a l'air tout pourri à certains endroits. Ah, mais attends, c'est acheté ici. Ah, c'est, oh c'est vendu maintenant. Bah, oui, oui. Oui, il y a de la lumière et tout ça. Oui, mais l'intérieur est un peu creux. Ah, oh, quoique, il est pas si creux que ça. Nous, ça avait l'air d'aller. De mémoire, c'est quand même 450$. Hein, donc, Oh, ça là! Eh mais oui, mais il y a un intérieur, il y a un petit ponton. Oui, c'est vrai qu'il y a le ponton. Il y a la plus-value au ponton. Eh ben oui, il y a surtout la plus-value en intérieur, quoi. Oui. Le ponton est cool, par contre, les chiures de mouettes partout, ça, bon. Oui, c'est ce que je me disais, je me demandais ce que c'était. Ah bah c'est de la chiure de mouettes. Hein. Bon, allez, j'y arrive. De préparation. Attends, allez, je vous regarde. Hey, bah voilà, il était joli celui-là. Oui, ça a fait des guillis au ventre quand je suis tombé dans l'eau. Mais il y a du courant un petit peu. Il y a absolument aucun courant. Bon, c'est vrai. C'était mon propre élan qui m'a surprise. Ça pense pas aller à mal de tête? Encore en train de taper dans des trucs. Ah, là c'est peut-être lui qui a du courant, non? La courante? Non, j'ai pas. Ouh! Oh non, mais. Mais quel est. Venez voir, Denise. J'avais jamais regardé là-dedans avec une torche, enfin une lanterne. Parce que même en plein jour, on voit pas. Ça. Non, bah oui. Mais bon, moi, j'ai une certaine curiosité, vous voyez. Ah, c'est. Peut-être oui. Un peu nul, mais. Mais c'est important de savoir où on pose ses fesses. Parce que... Oui. Et bah, je sais où je vais pas les poser déjà les miennes. Je vais donc à ce niveau-là, je préfère aller dans l'eau. Hein. Oui. Il est chouette cet endroit. Bon, il est un peu loin de tout quand même. On est où là? Bon, ouais, au démarrage du sud de New Austin, quoi. Clairement, on est loin de beaucoup de choses. Hein. Oui. Je crois que j'entends un serpent. Oui. Mais je le vois pas. Je l'ai entendu pas là. Ah, le voilà. Le serpent? Non, le prospère. Mais...
Bah alors ? J'ai eu un mal de crâne, je suis tombé dans un buisson. Ah bah il avait... Il avait bien interprété. Oui, c'est ça. J'avais interprété les signes. Et donc ouais, non, à la baraque, on... elle est vendue, mais... T'as su un serpent dans le coin ? Ah oui. On a dû partir maintenant, mais... Ah, les serpents, ça va souvent plus vite que ce qu'on croit. Donc, oui, et puis ils attaquent pas beaucoup. Il y a sa trace ici, là. Oh. Ah oui, d'accord. Ouais, t'es balèze quand même, hein. Il a l'air. Peut-être c'était dans l'autre sens, du coup. Mmh. Non. Non, il était sur la route. Je sais pas. Je pense. C'est la sainte journée, votre avis. Ah, vous l'avez. Ah, c'était un gros serpent. Non, il y a... Je crois qu'il y a autre chose. Il y a d'autres choses, il y a d'autres choses. Oui, il y a des loups, attention. Désolé, loulou. Tu as aimé mon mien. Oh ouais, bah allez-y, allez-y. J'avais... Ah bah ils ont mangé mon... Ils ont mangé mon oiseau. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ça va pour vous, c'est bon? Oui, ça va, oui. Tout va bien. Ok, il y en avait un autre, je lui ai mis une balle, mais il s'est barré quand même. Quel vôtre? Oh bah. Si vous voulez, là. J'en ai un petit paquet. Bah, moi j'ai eu mon mien. Allez, je vais le prendre. Parce qu'ils ont bouffé mon oiseau. Et c'était quoi? Il y avait du coup un serpent aussi? Bah oui. Il y avait une trace de serpent. Il y avait une trace de serpent, oui. Je pense qu'il est. Ouais. S'il est pas fou, il est parti. Il a tout rapporté au loup. C'est enfoiré. Ouais, mais faut. Vous arrivez pas à le plumer, votre oiseau, là? Ah bah je le vois plus, moi. Oui, moi je vois une tache de sang. Mais pareil. Ouf. Oula. Ah, et attendez. Vous faisiez une petite possession bizarre. Ah. Non. Hop là. Pardon. Bon réflexe. Bon réflexe. Tu as vu. Parce qu'il y a une... Voilà. Il y a un autre là. Il n'y a pas de boucher qui vient de disparaître direct. En fait, si, si, c'est pas qu'elle disparaît. C'est qu'elle apparaît dans notre inventaire et elle disparaît pour pas y laisser des cadavres partout. Tu vois. Allez, je vais faire un truc. Il y en a varié. Allez, petit corps. Vous êtes touché par un. Il y a un loup qui vous a mordu? Non, c'est tout à l'heure en plongeant de votre caillou. Les premiers sauts n'ont pas été d'une précision. C'est pas les 8 loups qu'on a rencontrés, c'est le plongeoir. Oui. C'est ça. Pas les loups, pas les grizzlies et tout ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre intérieur? Hein? Très chouette coin en tout cas. Bah ouais, j'aime bien. Il y a un chouette coin aussi, plus loin. Ah, dans Roulio, ouais. Ouais. La maison, elle appartient à Isaiah et Molly à Amar. Ah oui, ils en avaient parlé, oui. Ouais. Et c'est vrai que le lac, vous voulez y aller? Vous l'avez déjà vu ou pas? Je suis peut-être passé pas loin, mais juste passé. Ça me dit rien. Comme vous voulez. Oui, on peut. Oui, et puis après, on aura qu'à aller voir un petit peu Armadillo s'il y a du monde. Ouais. Comme ça,
comme ça on fait une petite boucle. C'est ça. Je vais arrêter la VOD là, je pense. J'hésite. Parce qu'il va bientôt faire 3 heures, donc je pense que je vais arrêter la VOD ici. On est juste en train de visiter. Je relancerai une si ça vaut le coup, s'il se passe des choses à Armadillo. Je savais pas qu'il y avait des loups qui pouvaient venir du coup, en bas là. Des bisous la VOD. Ciao, ciao. Bon, ça va.